Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live avec notre copain Inexor. Aïe, je connais. Super début de live. Non, on se retrouve avec notre copain Inexor pour un début d'année Minecraft, Skyblock, mais One Block. Et je vais. Voilà, One Block où on va jouer tranquillou tous les deux. Avec notre copain Rixor. Sans plus attendre, je vais déjà aller me démute sur Discord avec le salut Rixor. Coucou. Donc voilà, je vous mets la magnifique scène de Minecraft. Voilà, j'ai tout bien réglé, c'est parfait. Du coup, je fais ça, voilà, c'est parfait. Non, mauvaise c'est beau, fenêtre. Le shader. Ouais, le shader, il est beau. C'est un Oxo qui m'a donné le sien, entre guillemets. Donc, normalement, oui. Normalement, on est censé se retrouver sur un seul bloc. But, ça. Cependant, on a fait une petite plateforme. Technique. Voilà, sinon, on tombait dans le vide. C'est de la clé, ça. Tu peux essayer de casser si tu veux. Je suis pas en mode aventure ou un truc dans le genre. Ah, stoppé, pardon. J'ai oublié que tu ne pouvais pas casser. Vas-y, c'est bon. Game mode. Non, mais. Survival. T'es bien sur lui. Ah, bah là, il a respawn le bloc. Tu tombes ah pas. Bah... Ah, bah si. Ah, si. Bon. Bon, bah, rip moi. Hein. On a de la clé. Et une feuille. Bah du coup on garde le stuff comme ça c'est mieux. La clé, la terre, la clé. Ah du bois. Enfin c'est... Notre table de craft. Ok. Je lui fais une table de craft, comme ça ce sera fait. Pif. Excellent. Tu pouvais la mettre... Ce sera sûrement plus pratique comme ça. Si on pouvait avoir une pousse d'arbre. Oh la grâce! Attends. Évite de toucher la grâce pour l'instant. Voilà, laissez pousser. Pourquoi? Challenge completed. Ils ont changé. Tu veux faire quoi? Ah oui, il y a des advancements. Enfin, des. Bah, on. Oui, des achievements. J'aimerais que ça se propage. Oh, au pire, on en aura d'autres, hein, c'est pas très grave. Mais non. J'ai une belle, hein. Il y a le just kill. Ah oui, pas faux. Enfin, pas con. Bah attends, du coup, laisse-moi. Le bois. Et faudra mettre un truc à côté aussi pour qu'on dise que c'est le bloc qu'il faut casser à l'infini. On lui fera un petit piédestal. Ouais, je ça marche bien aussi. Okay. J'ai eu de la pierre. J'ai eu de la pierre infertile. Ah, c'est pas infertile, on dit de la pierre, c'est de la terre. Quartz. Curse Dirt, c'est la terre corrompue. Oh, on a une pousse. Oh, amen. T'aurais peut-être pas dû la mettre sur le coin de l'île. On risquerait de la faire tomber. Hop. Pouf. Je vais me faire une pelle aussi. Une bonne idée. Je vais peut-être prendre Inventory Twix. Ça aurait pu être plus simple. J'ai une autre pousse. Trop fort. Attends, c'est quel bloc? C'est celui-là? Ouais. Allez, si on pouvait avoir la terre. Ah, ça c'est dommage. Mon écouteur, ah, on y est revenu. Allez, c'est parti, on casse les blocs. Mais attends, on est d'accord là, on les duplique là les blocs. Non. Ah, enfin une pousse, une deuxième pousse. Troisième pousse. Troisième. Je n'avais point vu ta pousse.
sur une île un peu. Ouais, ouais, ouais. Ça promet d'être un peu beaucoup long. Oh, oh. Au revoir, Yves. Bon bah rip moi. Ah mais puis en plus on respawn sur le bloc. J'ai failli te refaire tomber. Oui. Il est ridicule mon pseudo comme ça. Total go 0. Non c'est un O majuscule. Pourquoi il y a deux O alors? Parce que je pouvais pas m'appeler Dodalgo sinon je pouvais pas jouer sur le serveur. Sur le serveur, comment est-ce qu'il s'appelle Et du coup, t'aurais pu justement changer un des O de. Oui, j'aurais pu mettre un O majuscule. Oui, moi un 0 aussi. Normalement, tu peux le rechanger plus tard. Oui, oui, je peux le rechanger d'ici pas longtemps, normalement. Ça serait bien qu'on ait de la pierre quand même. À un moment ou un autre. Alors... C'est censé avoir des coffres au bout d'un moment, mais bon. Donc on a vraiment pas de chance. Ouais. C'est quoi les items ils volent par contre? Je vais rester à la hache. Hein. Le jeu, on te demande des coffres, pas du bois. Ouais, ça, on en a. T'en faut pas remplir des achievements ou un truc dans le genre? Craft cobblestone, comment ça craft cobblestone? Quoi? Alors attends. Oui c'est ce qui est écrit. Craft cobblestone. Hard rock, craft cobblestone. Oula. Eat 9 steak. Il n'a pas ajouté des crafts spéciaux avec la map? Je vais aller vérifier. Ce serait ironique qu'il y ait des crafts spéciaux. Hop, 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 ah. Toujours plus. Tweak, 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 tweak. Continuer à agrandir l'île. Quoi qu'il faut pas trop l'agrandir, sinon on risque d'y avoir des mobs hostiles qui vont spawn. Ah, oh, salut Philippe Outre. Non, je vois rien. Ok, ouais, donc non, c'est juste qu'on a pas de chance. Clé. Allez. Oui non c'est bon je suis pas trompé. Faut peut-être attendre que notre premier arbre pousse peut-être. Quoi? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça me casse la tête, qu'est-ce qu'il y a en dessous passé, regarde. Pourquoi il y a deux coffres? Pourquoi est-ce qu'il y a... Oui pourquoi? Mais vous trichez monsieur, rendez-nous nos coffres. C'est les serve one block de Zaka, je sais pas quoi. Non, c'est pas un serveur, non, c'est... Pas... C'est une map. Mais j'ai rejoint le serveur. Ah bon. En fait, c'est la nouvelle version qui fait ça. Et... La nouvelle version. Ah oui, tu peux pas les poser quand t'es... Ah ouais, on peut crafter la cobblestone. On peut crafter comment? Avec... Oh, incroyable. Comment? Avec 4 blocs de terre. Oh mais il a ajouté des... Mais oui mais ça c'est pas dit ça. Non c'est pas dit. Oh. Ça va être plus simple maintenant. D'accord. Pas mal. D'accord. On aurait pu continuer à le faire longtemps hein, si on n'a pas remarqué ça. Je vous aurais bien join. Bah je sais pas moi. Ah mais là on passe.
Mais là, on a déjà commencé, donc ça va un petit peu trop tard. Je sais pas à quoi ça sert ça. Après, qui dit qu'on n'invitera pas des viewers plus tard pour qu'ils viennent nous aider à travailler ou par exemple qu'ils construisent des trucs? Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Tu veux juste des esclaves, c'est ça? Moi? Mais non, c'est pour leur faire plaisir, venir jouer avec moi. Vous voyez bien, je ne suis pas ce genre de streamer, non. Je suis quelqu'un qui adore les viewers, je veux pas m'en servir comme des esclaves. Mais... C'est tellement mal me connaître. Non, c'est pas contrôle, c'est je voulais faire E. Mais attends, ça se trouve. Ah oui, c'est vrai qu'on joue en 1.12. On a déjà tous les crafts d'unlock. Cobblestone. Ah ouais. Et attends, mais c'est craft chelou ça. Attends. Du coup, bah, je vais aller regarder les autres advancements. I got the pick. Collect all saplings, get honey, craft sand. Et je suppose que le sand va nous demander quête. Non, pas de quête de cobble. Alors, sand. Sand. Ah, il demande 2 de stone. Comment est-ce qu'on fait de la stone? Quoi? Parce que le sable, il nous demande 2 stone et 2 de terre. Mais nous n'avons point de stone. Nous avons si, la stone, ça se fait en... Ah oui, en faisant cuire la cobble, oui. C'est vrai que c'est plus logique comme ça. Deux de stone et deux de terre. Allez, ça cuit plus vite. Bon, bon, en attendant, je continue à miner. Alors ça, c'est chiant. Tu dois switch à chaque fois entre les outils. Or, okay, c'est bon, je l'ai. Tu as trouvé les crafts? Tu regardes dans le truc là de Minecraft, bah là le petit livre de Minecraft. Ah mais oui mais moi je l'ai. Oh. De quoi tu l'as pas? C'est plus simple comme ça. Je mets ça un bloc de terre comme ça l'herbe, un bloc d'herbe comme ça l'herbe va se propager. Je sais même pas à quoi sert la clé au final. Faire des blocs de clé mais je vois pas d'autres trucs. Ouais, j'ai 30 blocs de clé. Je sais pas à quoi ça sert. Allure. Ah, ça y est, l'herbe s'est propagée. Du gravier. T'as posé de la terre de la terre stérile. Ok, le gravier, faut que le stone et de la dirt. Fais cuire la clé. Ah oui, pour avoir de. Pour avoir. Ah bah vas-y, fais du gravier. Oui. Pourquoi tu fais cuire du gravel? Ça fait quoi? On va avoir du fer. Alors ça, je l'ai vu sur le site. On va avoir des nuggets de fer. C'est. Pour faire du fer. C'est ultra. Ultra chelou. T'as cassé un bloc, mécréant. Je me suis fait peur tout seul. Ah, je meurs. I'm dead. Du coup, bah, on a des nuggets de fer. Il va nous falloir beaucoup de gravier. Attends, je pourrais juste avoir du sable pour remplir l'achievement. Linkation. Et du gravier aussi. Horse with no name. With no name. Non, c'est pas dans l'option, c'est dans Advancement. Oui, on peut faire du gravier. Oh, ok, c'est bon, j'ai plein de gravier. Give gravier, give gravier. Non, c'est pas du gravier, c'est bon. Merci. Non, je vais faire ça. Non, non. On va faire un charbon de bois d'abord. Ce sera mieux, oui. Ah, j'ai un stack de gravier à faire fondre, du coup. Ah, on peut faire peut-être plus de cobblestone. Attends, je vais prendre de la terre. Non, ça c'est la Quartzed Dirt. J'ai pas assez de dirt.
fais plus de dirt. En vrai, comme là maintenant on a de l'herbe, si on fait une assez grande plateforme, on peut avoir des mobs qui vont spawner, enfin des animaux. Je suis en train de casser le. D'ailleurs, j'ai coupé le son. Peut-être mieux avec un petit peu de son. Voilà, comme ça, ça sera plus sympatoche. Eh, ça pousse pas hein, les arbres, ouais, c'est bizarre. Mais j'ai vu qu'on pouvait obtenir de la clay. De la bonne mille, faut peut-être voir si on peut. Oh là. Ah bah si, ça vient de pousser. Voilà, ça vient de pousser. Magnifique Rieksor. Oh, mais qu'est-ce que je fais là? C'est l'arbre qui a poussé. Je suis aplati. Ah, c'est génial. C'est juste qu'en fait, ils avaient pas assez de place pour pousser. Oh! Incroyable! Je suis aplati. Je veux être aplati. Tu me passeras le serve. C'est pas un serveur. Bah, déjà, bonjour Tanoxo. Et c'est pas un serveur en fait, c'est un serveur privé. Si je viens, je ramène Yukito, c'est notre esclave, il construit tout pour nous. Oui. Vous inquiétez pas, vous pourrez rejoindre le serveur. On fait les débuts d'abord. Et on vous laissera faire les trucs chiants. Genre casser 500 000 fois les blocs ou alors nous faire une belle maison plutôt. Comme ça vous serez utile. Ouf. Non, je plaisante. Nous ne sommes pas si horribles. T'as réussi à faire des nuggets de fer ou pas? J'ai même pas envie. Hein, quoi? Non, t'as pas réussi à faire du fer. On a pas encore assez de nuggets. Mais là j'ai 7 nuggets. Je les veux bien. In the coffre. Je pose en même temps tout ce que j'ai dans le coffre. Et peut-être la terre, je vais la garder, histoire de faire de la cobble. Et avec cette cobble, de faire des plus de fours. Iron grip, il y a un arbre. Ouais, j'ai vu. Tu peux juste me donner le lingot de fer pour que je puisse avoir l'achievement aussi. Ah, tiens, je viens un truc paix. De fer. Merci. Tiens, je te rends ton truc de fer. Ok, faut fabriquer un. Ok, d'accord. Faut fabriquer. Comment ça s'appelle? Un haut fourneau, non? Un seau. Un seau. En fer. Et après, faudra le remplir de lave. Comment on fait de la lave? Je sais pas. Est-ce que tu pourrais farm la terre et la pierre pour donner un max de... La terre, ouais. Il me faut juste une pelle. Je n'ai plus de pelle. Fais-la en fer. Ah, mais. Oh. Bah, tiens, je te fais. Tu le fais, bah, vas-y. Je vais ranger ça comme on en a pas besoin. Je fais une aussi. Ah mais attends, après on pourra avoir un générateur de cobblestone, ça sera plus simple. Tiens. Ouais, c'est pour ça. Merci. Ouais, j'ai cassé le bloc. Oh là, t'as cassé. Il y a un bug, je crois. Hein. De quoi il y a un bug? Et on casse super vite. Je crois que c'est le. C'est la nouvelle version qui. Ça, c'est parce qu'on est deux. Quand mais on est deux. Dans Minecraft, ça fait pas ça. Hein. C'est vrai que c'est une nouvelle fonctionnalité. Non, il me semble qu'en fait ça garde quand toi tu casses le bloc. Et du coup, en fait, ouais. Comme t'as déjà presque fini de casser le bloc, en fait ça te casse l'autre qui apparaît. Hop, ah, mais vas-y là. Ouais, vas-y, je casse. Tu récupères, moi je casse. J'y vais à la hache comme ça. Ah bah vas-y, ouais, tu restes avec la hache et moi je m'occupe de la pelle. Ah là, c'est tellement satisfaisant. Je vais tout prendre. Je veux bien du coup ta terre et ta. C'est quelle version de MC d'ailleurs? On joue en 1.16.5. Voici tout ce que j'avais. Je t'ai tout donné. Ah d'accord. Ouais, merci. Et j'utilise ton shader, Tanoxo.
Ah, le shader que tu m'as passé l'autre jour. Il faut que. Faut... On peut pas voir quel craft on peut faire. Il devrait nous. On devrait mettre JUI, enfin Just Enough Item. Peut-être qu'on verrait les crafts personnalisés. Ouais. Tu veux que j'aille le chercher et puis on le met dans notre Minecraft? Ça va être chiant, faudra tout redémarrer et tout. Vive la 1.16. Ah oui! Moi je joue plus dans des versions ultérieures. Encore entre la 1.12 et la 1.13, ouais, enfin, mais 1.16 elle est beaucoup mieux. Enfin, n'empêche, j'ai l'impression qu'on est resté longtemps quand même sur la 1.12, contrairement à la 1.13, 1.14 et 1.15. Enfin, après, c'est ce que je. C'est ce que. Tiens! Outil. Quoi? Je t'ai offert un outil. Tu m'as offert quoi? Oh, une hache en fer. Tu pourras me... Les lanternes. Tu pourras me refaire une pelle en fer, s'il te plaît, parce que la mienne est presque cassée. Ouais, mais je veux bien ta terre, du coup. Ah, ma terre? Ah oui, tiens. J'en ai presque un stack. Ah voilà, ma pelle vient de casser. Allez hop, on continue. Toujours plus de minage. Toujours plus, toujours plus. Clac, clac, clac. Après, il nous demande aussi de récupérer toutes les pousses, donc je pense que on devrait pouvoir craft les autres pousses aussi. Attends, si je vais voir. Pour. C'est des saplings. Oh, avec la terre, on peut obtenir des oak saplings. Tu mets avec juste un truc de. Un bloc de terre dans ta table de craft, ça te donne des oak saplings. Ah ouais. J'ai peut-être une idée de comment faire pousser. Je me suis dit, peut-être que si on plate un oak sapling sur la terre comme ça, peut-être que ça va changer d'arbre. Je sais des trucs, j'en sais rien. Ah oui, peut-être. Attends, tiens. J'ai ça, 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 et ça pour toi. Et du coup, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas quoi faire. Mais du coup, je peux aller te voir, ils nous demandent de faire un craft et ensuite de le remplir de lave. Récupérer toutes. Collect all the saplings. Et ensuite, faut qu'on fasse. Where my demon hide? Let yourself be killed by a phantom. Ah, faut se laisser tuer par un fantôme. Avoir les 16 laines. Manger 9 côtelettes cuites. Ça devrait être simple si les vaches spawnent. On arrive à spawn des vaches, on les mettra dans notre entrepôt et on fera ce qu'il faut pour en avoir plus. Oui, c'est ça que je voulais voir, comment est-ce qu'on faisait de la poudre d'os. Bonne. Mais c'est avec un os. Ah, il n'y a pas de craft personnalisé. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir des mobs. Sûrement. Ok, j'ai un seau. Maintenant, il faut que je le remplisse de lave. Tu peux juste me le donner pour que j'ai l'advancement aussi. Ouais. Merci. Tiens, je te le rends. Je retourne miner. Clac, clac. Bon bah c'est la passion, hein.
comme dirait un certain Momoki. T'aurais de quoi me refaire une autre pelle ou pas? Quoi, pardon? T'aurais de quoi me refaire une autre pelle ou pas? Ouais. Punaise. Ah bah voilà, vient de casser. Non, je t'ai mis là. Ok, merci. Oh, super. J'ai tout mis dans le coffre là. J'ai trompé de touche. T'as cassé la table de craft? Ouais. Quel monstre. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah ah, oui. Sans souci. Oui, c'est sûr. Ah là là. Et va. Comme tous les débuts d'aventure Skyblock, c'est des heures et des heures de minage. En vrai, faudrait que j'essaye de prendre un deuxième Minecraft, de le faire tourner à côté, et comme ça de pouvoir faire des timelapses. Ça serait trop classe. Tu sais pas ce que c'est un timelapse? Pas vraiment. C'est en gros une vidéo où c'est juste par exemple le let's play de. Une aventure Minecraft mais en accéléré et avec de la musique. Ouais. Et il y en a plein qui le font avec des skyblocks. Donc je me dis punaise, ça serait vraiment trop classe avec un autre perso de le mettre là-bas en volant et de faire une machine. Mais après, faut que je vois si j'arrive à faire tourner deux Minecraft sans trop bugger. Ou alors, il me faudra un deuxième PC. Et bon, ça coûte un peu cher un PC, donc moyen. Aïe, c'est pas gagné. Hop, on continue. Toujours plus de cassage de blocs. Dans un certain temps, normalement, on va changer de phase. Mm-hmm. Donc c'est à la force de taper les blocs. Et il y en a 10. Il y en a 10 des phases comme ça. Il y en a 10. Et à chaque fois, ça change de bloc et tout. Ouais. Ok. Là, l'achievement qu'on a, c'est de faire un saut de lave. Et pour faire un saut de lave, j'ai regardé, c'est normalement c'est un bloc de magma. Et donc pour ça, il faut aller dans le nether. Alors ouais, sauf que je sais pas si on peut. Il y aura sûrement un bloc justement qui va nous le donner. Ouais, sûrement. Je crois qu'on n'est pas obligé d'y aller. Attends. Donc 10 phases, il y a la plaine, le souterrain, les biomes de neige, l'océan, le donjon de la jungle, le désert, le nether, l'idyle, désolation et l'aine. Comment est-ce qu'on y va? Enfin, comment? C'est juste en cassant des blocs et puis ça change comme ça au fur et à mesure. Au bout de 700 à 800 blocs, ça change de phase, ouais. Puis c'est ça énorme. Change à chaque fois. Bon, j'ai non, plus de pelle va. Par contre. Hein. Attends. Y a pas genre. Je crois qu'il y a un truc comme ça, genre. On peut voir absolument. Voilà, statistique. Bloc. Je suis trop stupide. Voilà. Bloc miné, t'es à combien? Attends, je sais pas où c'est. Mmh. 157 terre cassée, 139 terre cassée, 145, 192. 171, 136, 152, 161,
Là, si on peut presque faire 2, 4, non, 2, oui, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça Bon, on va fait. dire que je suis environ à 200. C'est bon, je te hais maintenant que je sais que c'est en 1.16, je veux build des bateaux. Pourquoi tu veux build des bateaux T'as dit quoi, Ryaxor? Je suis à environ à 200 blocs de miner. Ah oui. Et du coup, je vais te laisser Le coup, miner, il je a vais m'occuper 62. du reste. Comme ça, au moins. Après, je sais pas si Tu fais c'est. pas quelque chose. Je sais pas si c'est connecté ou s'il faut. S'il faut que chacun. Bateau, j'ai dit château. Ah, pardon, j'ai pas vu. J'ai pas vu, oui. Ouais, bah j'ai dit n'importe quoi. Ah. Bon, bah c'est joli, hein. En vrai, je pense que je vais continuer à agrandir l'île. Vas-y. Tu veux faire avec la terre là de merde. Bah, moi non plus, je sais C'est pas comment la. faire. Ah non, du coup, vas-y, au moins fais-en. Je t'en remets dans le coffre si tu veux. Je vais juste AFK 2 minutes. Je reviens, les gens. Attends, j'aime bien le principe, mais. Normalement, on doit faire spawn des coffres.
Ok. Me revoilà. Non, qui t'a poussé dessus. Ah. Est-ce qu'on m'entend sur le live? Oui, c'est bon, on m'entend. Ok. Excusez-moi. Mais du coup, je vais couper l'arbre. Voilà. Il s'est rien passé depuis que je suis parti. Non. Ok. Temps de réaction. Vivement qu'il soit public. T'as l'impression qu'il a vraiment envie de jouer avec nous. Il sera public d'ici 3 mois, 5 mois, 20 ans. Ouais, dans 20 ans, c'est bien. 20 ans, ouais. Comme ça, on veut tous jouer. Ah là là. Je vais tryhard. Mais attends. On va revenir, il y aura un château. Il y aura 4 châteaux. 25 mines de diamants. Ouais, des mines automatiques de diamants. Ouais, c'est ça. On En va fait, rien comprendre. on n'y aura plus aucun moyen de jouer en fait. Tout sera bon. Et on a plein de clés, mais ça sert à rien. Ouais. Oui, avec Philippe Poutre. On vous ouvrira le serveur, vous inquiétez pas. Promis. Un jour. Un jour. Moi, je vais juste build MDR. Bah, connaissant Tanoxo, lui, il va farmer 1500 ans et toi, bah oui, tu vas build. Tac, tac, tac. Oh, mais qu'est-ce que je fous avec 30 nuggets moi sur moi? Du coup, je pourrais me refaire une pelle. Je vais me refaire une belle pelle là. J'ai pris qu'un seul stick. Comment être stupide jusqu'au bout? Voilà. Et là, je pense que ça va être bientôt mort. J'espère aussi. Ça commence à faire long là. Ah, j'ai appuyé sur F1. Je vais rester sur la hache. Ah ouais, vas-y. Je reste sur la pelle. Ça va vite quand même. Ouais. T'es plus fidèle viewer, oui. Ouais, c'est vrai que vous avancez pas mal, hein. Il va bientôt vous rattraper, Colox. Ils vont vraiment. Ah, je recommence. Ils vont bientôt te rattraper, Colox et toi, au niveau des niveaux, hein. Ouais. Ah, il y en a un qui a poussé. Sur les niveaux. Niveau de live en fait. Quand tu restes sur le live, tu gagnes des niveaux. Et en gros, c'est comme ça que je vois qui c'est qui est le plus souvent sur les lives. Et On peut donc. voir le classement, non? Oui, d'ailleurs, le classement, normalement, vous pouvez le voir dans la bio. Enfin, dans les infos de mon stream. Il y a normalement un leaderboard. Normalement, il y a les top dons, top plumes, etc. Mais mon don, bah, il est vide. Ah, d'ailleurs, pour l'affiliation. J'ai envie d'être affilié, mais c'est pas du goût de tout le monde, apparemment. Lié au fait que je ne sois point majeur et que du coup je dois demander la gentillesse de Le mes poulet parents. magique. Le poulet magique, c'est 100 $ sur eBay. Le poulet magique, il Alors, se trouve heureusement partout. que Le poulet magique, c'est n'y a pas la 100 $ webcam, sur parce eBay. que là, Le dès poulet que j'ai entendu le magique, poulet c'est magique, 100 $. j'ai fait un tour de ma tête en mode quoi? Sur mon deuxième écran parce que j'ai un aperçu du live en même temps que le chat
Et donc, du coup, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui s'était follow et j'ai tout de suite tourné pour voir qui c'était. Mais non, dès, comme j'ai pas vu la notif, bah, j'ai su que c'était que. Je sais pas, je crois que c'est toi qui as fait le son, Tanoxo. D'ailleurs, les sons seront payants hein, après. Hein. Ça... Ah oui, d'accord. Mais oui, non, mais après, ça coûtera des bits. En fait, les tout autres sons. Là, mais ils parlent pas. Oui. Comment ça, ils parlent pas? Quoi? Les autres sont là. C'est moi ou. Je comprends rien. Non, moi en plus, j'ai pas compris. Les autres sont là. Ils, à mon avis, ils parlent des autres. Sur ton live. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il me semble qu'il y en a certains, c'est des bots. Hein. Genre Rainmaker. Ça, c'est un de mes bots. Et normalement, je lui désactive l'XP lui. Du coup, lui, il compte pas. Ah, j'ai cassé ma pelle. Scheisse. PSB, là, on devrait changer de niveau, là. Ils font quoi, oh? Construit avec quoi? Ouais, avec de la dirt. Mais la dirt est nulle. Il y a un spawn. Je sais pas comment c'est bon. Comment ça, un spawn? Sur le serveur? Ouais, il est là. T'as le nombre de terres que j'ai. Aïe, j'aimerais faire une pelle. Yop, yap, yap, yap. Mais pour ceux qui vont arriver après. Ah oui. Oui, mais on fera un beau spawn, ne t'inquiète pas. Après, je pense qu'on peut faire un truc genre. On pourra mettre un plugin. Un plugin de. Comment est-ce qu'on appelle ça pour créer des. C'est pas une sorte de faction, mais. Pour claim des zones. Oh, je suis pas un ingénieur de Minecraft non plus. Hein. Oui, oui, t'inquiète, t'as ça. Bon, je sais bien que t'es pas un ingénieur de Minecraft, mais. Normalement, c'est plutôt simple à mettre un peu. Et aussi Philippe Outre, oui. Voilà, je pense qu'on s'est bien fait intuber par contre. De quoi? Bah, y'a rien. Ah oui, il se passe rien. Soit la version, cette version là est plus. Soit. Et sûrement Yukito, oui aussi, je pense aussi. Ce truc by Zachary, ouais, c'est ça, pourtant c'est la même map. M'énerve. Il y a actuellement 7000 blocs, la plupart des phases ont environ 700 à 800 blocs, à exception ces dernières sont un peu plus courtes. Que se passe-t-il après les phases? Pourquoi certains blocs apparaissent-ils plus fréquemment que d'autres? Quel monstre le bloc infini peut-il engendrer? Un certain ensemble de mobs, quels coffres peuvent apparaître? Ouais, c'est bizarre, pourquoi est-ce que on a rien nous? On n'a pas de coffre, on n'a rien.
Ouais, juste des Et je blocs comme prends rien. ça. Ça me frustre. Plus tu mines, ça s'améliore ton truc. Ah oui, normalement, mais bon, là, on mine depuis un certain bout de temps et il se passe rien. Et le problème, c'est qu'on peut pas avancer. Ou alors, faudrait agrandir l'île le plus possible pour avoir des mobs qui spawnent. Mais bon. Je vais essayer, hein, mais bon. C'est bizarre quand même. Ah, c'est quand même bien étrange. Ouais. Bon, on va continuer puis on verra bien. Pas de fly. Ah non, pas de fly par contre. Mais nous sommes en 1.16, donc on peut avoir du bambou. Et avec le bambou, faire des échafaudages. Et ça, c'est cool. Peut-être que c'est le premier arrivé à 700 blocs de PT. Je sais pas, t'es à combien toi? Alors, je vais regarder. Statistique. Une calculatrice. Je suis à 200 terres. 200, ça fait 400. 600, 800. 1000. 1002, 1004. Ok, bon. Ouais, j'ai cassé plus de 1102 blocs. 500, 600, 700, 800. Ok, il y a un souci avec cette version. Tu veux qu'on change de version? Tu penses que Mais ça vient de la version? c'est abandonner cette map par contre. Hein. De toute façon, On on n'a n'a pas pas fait fait grand grand chose. chose. Donc. Mais à quoi ça sert de continuer si ça marche pas donc Ouais. Essaye T'es pas la. censé faire ça. Il a 1.14. Vas-y. Du coup, je supprime totalement la map. On dit adieu. Ouais, bah vas-y. Ok. Du coup, il va juste falloir que j'installe Forge 1.14. Yep. Ouais, rip. Je vais peut-être essayer de mon côté d'abord pour bien Ouais. vérifier. Et après, on voit. M'avait Normalement, peut-être c'est connu pour sur le pseudo-quêteur. Quoi, mais attends, la map 1.14 ne fonctionne pas. Pourquoi quand je lance la map, je n'apparais pas sur le bloc mais dans le vide? 5 fois que Quoi, j'essaie mais d'installer ce mode, soit je n'obtiens de la terre dans le meilleur cas, soit le bloc ne se régénère pas et donc je ne peux rien faire. Je trouve ça vraiment dommage, ce mode me donnait vraiment envie. Puis installe la map sur son site, car cette map est une contrefaçon. Voulant refaire la map de Ijam, mais le créateur doit être très nul. La preuve, je peux refaire la map, je l'ai téléchargé sur son site. Dans l'article, il y a deux versions, celle de Ija et celle sur Curgeforge. La map Après, il y a un 1.16. serveur. La map 1.16 Crois qu'il n'est y a. qu'une version alpha. Vous auriez dû attendre la version finale avant de la proposer. Donc essaye peut-être la version 1.13 peut-être. Mais on peut pas. Enfin, genre. Je sais pas où la trouver. Attends. Je vais vérifier un truc parce que j'ai vu qu'il y avait un serveur Minecraft qui s'appelait OneBlock. Mais est-ce que c'est vraiment Attends, je vais essayer. c'est juste un skyblock ou bah les skyblocks sont en grande évolution. Vous voudrez rejoindre notre nouvelle aventure que tu n'as pas encore vue. Viens sauver les Acariens de leur destin tragique. Très bien. Il y a une certaine année. Hop, me parle pas aussi là que j'ai pas envie de t'entendre.
How to get one block map 1.16.5, download et install one block. Ah mais non, mais nous on veut sur un serveur. Attends, je l'essaye. Ah, c'est chiant. Mais j'ai peur que ce soit uniquement un skyblock basique. Un basique. Ouais, j'ai peur aussi. Bon. Eh, c'est ça, c'est un mode en fait. C'est la map et un mode. C'est ça, ça marche. C'est okay, un serveur. T'es sur un bloc, c'est un serveur, il y a un chat et tout. Et à droite, t'as des grades et tout, c'est comme un skyblock en fait. Alors on peut le faire en multi ou pas? Je pense oui. Ce serait nul sinon. Je t'ai envoyé. Pour rejoindre ton île, fais /OB. Alors /warp. Attends, fais pas slash OB du coup, parce que je... Non, je vais juste dans le tuto. Attends. Le serveur, ouais, c'est ça. Contacte un membre du staff, tu ne trouves pas ici la réponse à ta question, ouais, d'accord. Tutoriel. Attends, tutoriel commerce. Tutoriel commerce. Tutoriel commande. Tutoriel serveur. Welcome mon joli warp, welcome sur la première ligne, utilisez slash OB warp pseudo. Ouais, on peut inviter des gens. J'ai bien l'impression qu'on peut. Chelou leur truc. Un warp, avoir des ressources, ouais, ça je m'en fous. Les quêtes, je m'en fous. Bienvenue, oui, ça je m'en fous. Le vote, on s'en fout aussi. Discord officiel, wiki, site officiel, warp tuto, oui. Comment commercer, ça je m'en fous. Ça shop, je m'en fous. Hôtel de vente. Commerce entre joueurs. Pour que le joueur puisse acheter. Coffre de vente, je m'en fous. Et mince, du coup je vous ai pas mis. Bah ah, ça vous met encore un truc tout noir. Ah non, c'est bon. Ok, j'ai rien dit, c'est bon. Donc là, c'est quoi? Commande utile. Ah ouais, il y a plein de phases. Nombre. Alors. Max par île. Le nombre varie selon le grade possédé. Team, invite pseudo. Ah ok. Pour jouer avec un ami, fais slash OB. Team, invite pseudo. Team, invite. Et le pseudo. Totalco. Hop là. Donc du coup faut que je fasse slash OB accept, non team accept, accept, paf. Êtes-vous sûr d'accepter cette invitation? Vous allez perdre votre île actuelle, tapez la commande d'une nouvelle fois dans les 10 prochaines secondes. Putain. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Compliqué. Ah, bah on est que sur un bloc. Bonjour. Ouais, mais on peut pas tomber. Ah, on peut pas tomber. Amen. Bon bah du coup C'est parti. Philippe. Ah.
Donc là, on peut. Du coup, vous pouvez venir avec nous sur le serveur si vous voulez. Ah bah, Philippe Poutre. Philippe Poutre qui vient de rejoindre le serveur. J'ai pas le droit de récupérer les blocs apparemment. Ah si, c'est bon, enfin. Ah, mais c'est trop bien. Oh, on s'est vraiment pété le cul pour rien. Oh là là. Surtout que j'avais pas à recréer à chaque fois un serveur et tout. Ouais, ça va être plus simple. Là, il y a un shop intégré et tout, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, moi aussi. Ça va être mieux. Hein? Ah mais il vient, il est juste venu venir. Que... Non, tu joues? Je l'ai invité. Tu l'as invité dans notre team? Ouais. Ah bah bonjour Philippe Poutre. Du coup on fait partie de la même team. Du coup t'as Noxo, tu te co ou pas? Enfin si il est co. Ah oui. Ah bah vas-y invite-le. Hop là. CHBVN. Ouais, j'ai récupéré 100 sparks. Bon, je pense pas non plus qu'il y a... Ah si, il y a des coffres. Un coffre, amen. J'ai tout pris. Voleur. Par contre, j'ai eu des fleurs. Je suis tombé. Vous m'avez tué. J'ai mis... J'ai créé une tombe. Tiens, je t'ai mis. Mais attends, fleurs, du coup, si attends. Faut que je vérifie un truc. Est-ce que si on tombe dans le vide, on perd notre inventaire? Et tu viens de le... Tu viens de tomber? Mais oui, mais j'avais rien dans mon inventaire. Ah. Ok, on perd notre inventaire, donc attention ne pas tomber. Enfin, je fais une barrière. Ça va nous protéger. Donc, slash OB team TEAM Tanoxo. Attends, ça s'écrit comment? Invité, ah, tu l'as déjà invité, j'ai rien dit. Ah là là, ça va être tellement mieux. Bon, par contre, on en parle que le jeu te préfère toi et donc du coup, il y a que toi qui récupère les blocs. Attendez, LG ? Non, il n'y a pas que toi, mais je veux dire, à chaque fois que j'essaye de casser un bloc, c'est toi qui récupère les blocs. Ah, mais je me colle aussi. J'avoue, je peux me faire des outils. Moi, j'en ai déjà fait. hop, du coup, paf. Ça, c'est triste. Paf. Ah bah, pff, bonjour Philippe Poutre. J'ai mis du stuff, si vous voulez, dans le coffre, enfin de la terre, pour agrandir mieux. Ouais. Nicole. C'est ultra bizarre, les blocs, ils apparaissent en plusieurs fois. Enfin, j'ai l'impression que ça multiplie les blocs. Genre tu casses... C'est bizarre. Et tu sais si on est limité à de la taille de l'île ou pas? J'en ai aucune idée. Il semblerait pas. Mais par contre, la prochaine fois que vous avez un bloc d'herbe, évitez de le casser, laissez-le histoire de faire progresser l'herbe. On fera ça plus tard. Bah dès le début comme ça, ça serait mieux. Ça va le propager. Cette fleur me casse légèrement les 1. Casse-toi. Donc allons voir ce qu'il y a dans le slash shop déjà. Tu peux le réinviter s'il te plaît, Riexor. J'avais déjà invité ce joueur, je peux pas faire plus. J'accepte. Il faut que tu fasses slash OB accept deux fois. Je suis stupide, j'ai des outils mais je les casse pas. Ah, c'est tellement bien. Comment est-ce qu'on fait pas pour... ce vieux système de craft. De craft, pardon. Ouais.
Ah bah le voilà. Le voilà, El famoso Tanoxo. Ah, je vais vraiment dégager de cette barre de chat là, j'aime pas du tout. Ah. Go tryhard. Ouais. Non, vous avez cassé l'herbe. Oh, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Non, laissez l'herbe, laissez l'herbe, laissez l'herbe. Non, Tanoxo! Je dis laissez le bloc d'herbe. Qu'est-ce que tu comprends pas, Tanoxo? Allez hop, slash exclure Tanoxo. Non, t'inquiète, je t'en veux pas, c'est rien. Regardez. Maintenant, on va laisser l'herbe pousser. Bon allez. Du coup, faites vos premiers outils. Je pose de la terre, du bois dans les coffres, comme ça vous pourrez faire vos premiers outils. Pendant que Riexu s'occupe de la déco. Mais non, mais du coup l'herbe va pas se propager là. Merde. Voilà. Hop là. On va laisser l'herbe se propager. Oh non, les là, oh non, les là, oh non, les là. Qui veut de la netherrack gratuit? Allez, faites la danse de la terre pour faire pousser l'herbe. On n'a C'est pas bon, encore, j'ai vu que on tu a l'as encore fait. pas obtenu de pouce, hein, quand même. Allez, on a perdu Philippoutre. Tiens, moi j'ai plein de pouces. Ah mais si, mais vas-y, plante-les. Qu'est-ce que t'attends? Le soleil se lève. Ouais, est-ce qu'il y a des quêtes? Quête. Oui, slash Quête quête. principale. Vous êtes actuellement en train de les ouvrir. Alors. Un. Allez voir Yoshi. Alors faut aller au Avec une spawn et aller stone voir Yoshi. shovel. Vous avez de la pierre. Attends, essaye de craft de la pierre avec de la terre. Il nous reste de la terre. Que ça ne marche pas comme ça. Du coup, ça a changé. Vu que c'est pas le même. On sait pas. Vas-y, donne la terre s'il te plaît, Tanoxo. T'en as 4 ou pas? Ah, parfait, merci. Ah, dommage, il y en a que 2. Merci pour cette précision, Rixor. Mais j'ai. Non, mais j'ai. J'ai réinitialisé toutes mes touches sans faire exprès, j'ai envie de mourir. Cocasse. Non, ça marche pas. Bon bah c'est dommage, on aurait essayé. Allez, mes pouces, herbe de merde, s'il te plaît. Plus vite. Le truc qui est bien, c'est que comme j'ai mis mon sneak sur mon clic souris, du coup, ça ne me met pas la touche rémanente. Allez voir Yoshi, alors t'es où? Tanoxo, Tanoxo, Tanoxo. Ouais. Il a crash. Ah merde, il a crash. Non, c'est Philippoutre qui a crash. Allez, allez, tu vas pousser. Slash BVN, BVN. Même Voc. Ah, il a tout crash carrément. En fait, c'est son PC qui a crash. C'est dommage. Je suis en train de défoncer ma souris. Qui est comme une malade sur le clic pour m'accroupir. Hein. On peut faire genre slash TPS. Ah. Nous sommes à Tick Duration. Je comprends rien du tout. Ça, je pouvais. Allez. Ok, donc. Bon, bah Il me dommage. faut de la terre. Je vais devoir donner à Yoshi. Ah mais attends, C'est je crois vraiment un prénom nul par contre. faut le faire tout faut Ok, tous le c'est bon. faire, non? Bah oui. Et il faut quoi du coup? 20 terres.
Combien? Pour cela, des bûches de chêne. Oh, tu commences à m'emmerder là. Ah, coffre. Oh putain. Il y a quoi dedans? Fire protection, une bouteille d'XP et une émeraude. Attendez, venez là. Bougez pas. Bougez pas. Ça sert à rien. Allez, on continue, 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 on continue. Ah, coffre. Ah bah encore, fire protection, une bouteille d'XP. Ah, tu te l'es mis qu'à toi. Bah oui. Ça spawn. Où est-ce qu'il est, Yoshi? Yoshi, t'es où? Ah, il est là, Yoshi. Salut à toi, jeune Zacharien. Pour ce début de quête, il faudra que te munir d'un outil. Je vais te demander de me ramener 20 blocs de terre. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour se TP sur l'île? Slash OB et tu cliques sur l'île. Je crois qu'il y a un moyen plus rapide. Mais je sais pas. OB phase. Téléporter sur l'île. Ok. Okay. Attention, évite. Quelques pommes dans la forêt. Saurais-tu m'en ramener une? Yoshi, tu es insupportable. Tiens, je suis à deux zones. Hop, tiens. 15 bûches de chêne. Vous n'avez pas la permission d'accéder à la liste des points de téléportation. Merde. C'est qui lui? J'adore ce qui se passe, c'est ultra passionnant. Oh là là. Attends, je vais voir, c'est quoi pour le tuto? Slash warp tuto. Tuto. Tutoriel commerce. Commande. Slash OB team machin, ouais. Slash OB setting. Ok. Expel, ban list, OB, slash menu, OB ban, OB unban, OB go. Ah, c'est OB go. Pour direct aller sur l'île. Salut. Je t'ai juste proposé de jouer support et maintenant ça m'a donné. Ça m'a rendu accro à l'ADC. Ah. Au rôle d'ADC. Ah bon? C'est tellement satisfaisant, mais oui! J'arrive pas à me gêner de voir énormément de dégâts tellement c'est satisfaisant. T'es parti jouer à LOL? Ah non, t'es toujours là. Pourquoi est-ce que. Non. Non, rien, je perds la tête. On a notre bloc de dirt! Ouais, mais il faut attendre, c'est chiant. Oui, bon. Donc attends, il faut pas attendre. Sur le bloc pour. Ouais, faut attendre que le bloc se propage maintenant. Ça risque d'être un petit peu plus long. T'aurais des bûches? STP. Des bûches. Ya. Yeah. Des bûches de. Ah, j'en ai qu'une. Des bûches de chêne. Merci. Ouais. Et du coup, je vais continuer. Ah bah d'accord, t'as tout pris. Ah. Hop. 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 Hop.
Hop, du coup, je me refais une hache. Comment on se TP? Slash OPECO pour revenir sur l'île. Sinon, c'est slash, slash spawn. Ah! Oh, incroyable! Une pioche. Pioche. Mais on n'a pas de pioche en fer. On n'a pas de pioche en pierre. Attends, mais on est baisé là. Oui. Bon bah Obego G.O. Peut-être l'homme en nul. Bah la pioche. Bon bah voilà, on a perdu. Triste. Ouais. Ah, premier bloc de stone. C'est toi qui l'as eu! Augmenter. Ouais! Je te l'ai volé! Voleur! Non, je t'ai. Ah! C'est insupportable, le bruit. Normalement, je peux le voir ça. Alors, c'était. OV phase. Ok, on a, c'est bon, on a passé la première phase. Et maintenant, on est à la mine. Ouais. Incroyable. Donc, on débloque du charbon, de la pierre et du fer. C'est passionnant. Ah, j'ai ce qu'il me faut pour faire une belle pioche en pierre. Ensuite, on va arriver à la montagne. La montagne. Et on aura, du sable de la Attends, on a encore moins de chances d'avoir des coffres par contre. C'est nul. On a 1% de chance en moins. En fait, on a 2% de chance d'avoir un coffre. C'est pour ça qu'on a, mis du temps. C'est nul. Oh. Je te le vole. Non. Non. C'est moi qui récupère tout. Je me mets casse-toi de là. Bon, tiens, fais-toi une pioche, casse-toi. Oh ouais, merci. Oh non, il m'a tout piqué. Putain, mais c'est incroyable. Je vous déteste tous. Oh, il me manque, il me manque. Je vais me casser à aller voir mon pote Yoshi. Il me manque un de bûche de chêne. Tu n'as pas ma pomme. C'est vrai qu'il veut sa pomme, lui. Mais tu me saoules, toi. Tanoxo, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le droit de casser? Cassez-vous. Fermez-la. Oui, mais du coup j'ai plus de pierre moi. Ouais. Eh ben mine. Ouais. Me fais pas chier. Non. S'il vous plaît. Vous auriez une bûche. Ah bah tiens, parfait. Non, c'est ma pomme. Touche pas. Vas-y, je me casse. Je te casse. S'il y a une pomme qui tombe, j'ai dû retrouver quelques pommes dans la forêt, saurais-tu m'en donner? C'est de la mienne, hein. Je l'ai annoncé. Oui. Tu touches pas. Tu touches pas, ouais. Okay. Tu touches, t'exploses ta mère. Ya yeah. Ah, un coffre. Oh oh. Pimp my ride. Ah mais non, mais j'ai tout piqué, hein, rêve pas. Ah oh, zut. Oh shit. Here we go again. Y'a pas de pomme. Et ça continue. Toujours plus. Et c'est ma pomme par contre, casse-toi. On continue. Il s'est reco Philippe Outre ou pas Tanoxo? Je pense pas du coup. Mais attends. Non, ah, c'est dommage. Vraiment des trucs de merde dans les coffres. Du coup, est-ce que j'ai assez de pierre? Non, j'arrête. Krillex.
Bonjour Krilex. Attends, mais c'est Philippe Outre ça. Philippe Outre, tu as changé de pseudo? Je me suis trompé. C'est juste mon autre compte. Plusieurs comptes. Je suis level 27. Incroyable. T'es level 27, comment ça? Mais l'autre il me pique mon fer. C'est moi qui a tout miné et tout. Génial, mais pour en faire du stuff, merci. Bah du coup si tu vas te coucher, bonne nuit Philippe Outre. Écoute, on m'a volé 6 de pierre tout à l'heure, alors là... Oh ça va. Je te vole ton... Mais pourquoi ça se casse pas? Ok. Je reste juste sur le stream. Il va m'artiller beaucoup. Quelqu'un a du fer. Vite, du fer dans le four. Non. Moi je m'en fous, regardez. I'm so precious. Nourage les gueux. Paf. Ok, je t'ai pris ton fer. Hop là. En plus, c'est même pas le mien, c'est celui de Tadoxo. Oh, mais c'était pour toi. Non, moi je m'en fous, c'est celui de Tadoxo. Ok, je le garde alors, merci. Oh mais attends, j'ai déjà une idée. Oh oh oh, je ferme. C'est mieux comme ça, je pense. Ah mais si tu veux, hein. C'est juste que je savais pas que c'était ton autre compte. Tac. Ah. Toujours le dos d'algo. Oui. J'en ai 40. D'accord. J'en mets 4. Ouais. Faut bien faire sa promotion à un moment ou un autre. Je vais peut-être gratter le grade de streamer ou autre avec ça. Micro, qu'est-ce qu'il y a micro? Mon micro bug? Ah oui. Oula. Oula, ouais. C'est mieux comme ça? Normalement c'est mieux là. Eh, vraiment je suis désolé. Va vraiment falloir que je change de micro. Et j'en ai rien à foutre, j'ai acheté une pomme. Voilà, je me casse. T'as acheté une pomme? Alors, dans le shop? Poutou Yoshi. Ouais, je vais aller pour mon poutou Yoshi. Je vais faire pareil. Mouton aussi fin. Je t'invite à ramener les blocs de feuilles de chêne. Putain, mais il a cru que j'étais son chien, lui. J'ai même pas pu en acheter. Des feuilles de chêne, mais il faut du fer en plus. Attends. Achat 50, oui. Oui. Et non, mais tu récupères partout. Arrête de récupérer tout. Mais tu me récupères, casse-toi. Deux algos. Attends. Ah c'est bon, j'ai acheté. Merci. Je comprenais pas le truc du market. Moi aussi j'ai mis du temps à comprendre. Voilà. Mais okay, ramenez 8 blocs de feuilles de chêne. Tu pourrais deux fer s'il te plaît.
Bah le fer. Tac, il est en train de cuire. Ah là Merci. là. Tiens, d'ailleurs je pose un petit peu tout ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai un petit peu beaucoup de conneries dans mon inventaire. Voilà. C'est mieux. Bon bah je vais vous laisser miner, vous les gueux. Comment être encore plus méprisant? Les gueux. Cretch, 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 cretch. Oh, regardez, notre île est déjà magnifique. Avec ses beaux panneaux. Ce serait pas plus simple de faire pousser un arbre? Ah vas-y, mais j'attends. Beautiful. Oui, Mais c'est tu m'as dit quoi? celle-là qu'il faut! Non, je sais pas. Oh, bon, je... Mes moutons ont aussi enfin, je t'invite à me ramener 8 blocs de feuilles de chêne. Ah oui. Ça fera toujours plus de birch. Je suis riche. Comment ça, tu es riche? Ah, pff, bah d'accord. Non mais. Oh, pour qui tu te prends? Donne-moi ça tout de suite. Don au streamer, là, c'est la taxe. Allez! Non, tu payes pas ta taxe? Eh bah tu dégages. Je suis un horrible personnage. Mais qui te dit que ce n'est qu'un personnage? Vous n'avez rien vu. Oh mais vas-y, je me retape encore des fleurs quoi. Vas-y, bouffe tes fleurs toi. Là, c'est vraiment nul. Excellent. Ah bah attends, comme ça il y en aura aussi pour moi. Et fais attention, fais pas tout tomber. T'en as combien là, Riexor? 21. 21? Là ça fait pas assez. Il en faut aussi pour Tanoxo. Ouais, ou à l'autre, il pense qu'à lui. Merci, maintenant je te Et laisse mes aller pommes. parler à mon acolyte qui se trouve Nous on les a achetés dans. On les. Ah bah oui, bah achète-le dans le shop, nous on les a achetés dans le shop. Oh, il m'a offert un petit kit, il m'offre un kit! Incroyable. Alors attends. Kit. Mais donne-nous Welcome. nos feuilles. Kit welcome. Nye. Vite, des feuilles. Ça donne. Oh! Ça donne du cochon! J'arrive. Ah mais j'en ai des feuilles, c'est bon. Tu peux donner les trucs à Tanoxo, j'en ai des feuilles. Ma propre collection. Merci, maintenant je te laisse aller parler à Drowy. Mon acolyte, il se trouve près du dîner des hauts gradés. Ah, j'allais encore oublier, pour te se remercier, je t'offre un petit kit de ma propre collection. Ouais, du coup on a un kit qui donne 16 de Faire slash cochon kit. cuit. Il s'appelle Welcome. Kit welcome. Et c'est où Et son dîner là? j'en ai aucune idée. Wow. Et toi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Là, je crois que je l'ai. Ah oui. Ah! Saloperie! Faut parler à qui? Oh, le bruit que ça fait quand tu tapes. Oui. Faut parler à qui? Drowen? C'est lui, Drow. Non, c'est Drowy. Il est où? Ah là, là, là. Ah, bonjour à toi. Je vois que Yoshi a... Tu devras te munir de courage et de patience pour commencer. Je t'invite à monter la phase de ton OB jusqu'à la phase admin. Mais c'est fait ça. Oui. Donc, slash OB Bien, phase. te voilà bien avancé. Pourrais-tu me ramener 16 charbons? Ah.
Mais par contre, comment est-ce que je débloque mon kit là? Où ça? Tu fais slash kit welcome? Slash kit welcome. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Tanoxo? Paf! J'ai 15 de charbon. Et on demandait combien? 16? Ouais, 16. Ah, j'en ai 15. Il m'en manque un. Et paf, salut. Tu cherches le mec? Attends, Tanoxo, je suis derrière toi. Tanoxo, derrière toi. Non, Tanoxo, c'est pas par là. Il y a un décalage. Oui, je sais. C'était de l'autre côté, en fait. Voilà, par là, suis-moi. C'est par là. Et juste ici. Pouf. 25 lingots de fer, putain. Il se bouge pas avec le gold, avec le dos de la cuillère, lui. Hein. Non, mais oh. Ah bah tiens, je récupère un minerai de fer. Par contre, on a plus de charbon. Oui. Ah là là. Ouais, du coup, bon, on a plus rien. Ah, je vais devoir me faire une hache en pierre quoi. Non, sur en pierre. Bah, ah. Tiens, rien que ça. Cadeau. Oh. Je fais partie des hauts gradés. Ah oui, tu es streamer toi aussi, voyons. C'est vrai, je suis un streamer. Ma souris qui grince. Oh, il a tout en chance. Oh non, je le veux celui-là par contre. Comment t'as eu une pioche enchantée toi? Je crois qu'il a mendié. Oh non, j'ai... Dodalgo, t'es naze. Vous êtes sérieux? Qui a écrit cette infâme mythique? Rends les charbons. Mais comment t'as eu tout ça toi? Yoshi. Hein? Comment ça Yoshi? Et je peux avoir mes charbons, s'il te plaît. Quitte votre île. Il dit rien, Yoshi. Mais il m'a volé tous mes charbons. T'as rendu les 16 de fer à l'autre mec, c'est ça? Putain, mais quelle merde. J'en ai marre. Je ne comprends pas. Oh, bonjour. Non, c'est toujours pas suffisant. Quest. Ouais, c'est ça, t'as rendu les 16 de fer. Attends, slash quest. C'est incroyable, c'est incroyable. Quête principale, quête 1. Étape 8. Oui, 25 lingots de fer, récompense l'épée de forgeron. Et... Nanani. Comment il a fait lui? Bah je vais te laisser farmer, hein, Tanoxo. Comme tu as des outils en fer enchanté. Ah, les arbres commencent à pousser, ça devient cool. Pouic. Pof, 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 on n'a pas grand chose d'autre. Hein. Vous avez un petit peu de terre dans les coffres ou autre? Ah putain, j'ai... Ouais, j'ai... 14, 15. C'est bon, je les ai. C'est Efficiency 3, voilà. T'as eu ça comment? Bah en récoltant les quêtes. Quelle quête? Tu fais OB, slash OB, tu vas dans quête, tu vas dans quête principale, tu vas dans quête 1 et tu cliques sur les petits papiers ah qui sont avant. Oui d'accord.
Ah oui. D'accord. Mais pourquoi? Je peux juste avoir un charbon. 1, 2 et 3. Ah, C'est tout ce que d'accord. je demande. Mais c'est Mais cool c'est ça. insupportable. Mais attends, mais what? Je suis à deux doigts de te faire Ah, trancher. FI 3! Ouais, c'est officiel, c'est officiel C3, c'est vraiment cool. Ouais, bah c'est pas mal. Pourquoi? Eh, t'aurais pas un charbon? Moi? Il doit y en avoir un dans le coffre, dans le four. Pourquoi est-ce que je Merde. prends une pioche en pierre alors que j'ai Oh, des merci. outils FI3? C'est vraiment casser le cul pour en rien. Et du coup, on a dépensé du fer pour rien parce qu'on a gagné une cisaille. Remonter. Hop, hop, hop. Essayez de plus planter du bouleau, parce que sinon les arbres de chêne c'est chiant parce que ils montent à 3 km. Oh, mais après, il nous faut aussi du chêne. Mais non, on n'en a pas besoin pour l'instant. On plantera du chêne quand on aura besoin de chêne. Or là, on peut planter du bouleau, ça rapporte la même chose. Et en plus, le bouleau, c'est plus joli. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Je déteste le boulot. Oh! Quelle infamie. Team boulot et team chêne. C'est ça. Oh, tiens, un coffre. J'ai reçu de quoi faire une soupe de champignons. Ah! Montagne. C'est quoi? Là, on est à la montagne. Oui, c'est de la terre labourée. Pelle de Yoshi. Ah! Incroyable. Ça c'est chiant par contre que quand tu fais slash spawn, tu atterris direct sur... Oh, de l'or! Un lama! On va l'appeler Gilbert. Merde, comme Et je l'ai pourquoi il tapé faut... quand il a spawn, bah du coup il me crache dessus. Attends, il faut qu'on fasse un enclos. C'est un beau lama. Attends, j'ai une Je vais idée. créer un enclos Tanoxo, garde pour un la pioche, bouleau. je prends la pelle. Vas-y, continue de miner. Hey, mine! Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de récupérer des trucs, c'est ça? Y'a un Voilà. putain de zombie qui a spawn! Je crois que Gilbert ne peut même pas sortir comme ça. Ah oui, il est bloqué à l'intérieur. Trop fort. Mais Gilles. Vous avez du Gilbert. fer? J'en ai remis dans le coffre. Dans le. Ouais. Il me faudrait la terre. Vous avez la terre? Attends, moi j'ai plein de trucs. Je vais agrandir la. Attends, tiens, regarde tout ce que j'ai. Voilà, j'ai mis tout ce que j'avais dans le coffre. Sauf mes outils, bien sûr. Il n'y a pas de terre. Il y avait de la terre. Bah, très peu. Il nous faut 16 de fer, c'est ça? 25 pour le... 25 de fer! Putain, quel scandale! Ah, non! Oula. Ok, donc ne pas miner sous ses pieds. Oh, attends, on peut avoir nos premiers blocs. Ah bah non, on n'a pas d'herbe. Si, on a de l'herbe, mais pas beaucoup. Non, le Oh lama! non. Attends, Le lama. va falloir déplacer Gilbert parce que sinon il va finir par crever. D'accord. Donc là, regarde, j'ai compris. Là, dès qu'on va péter ce bloc, il y aura un squelette qui va apparaître. Vas-y, tu vois?
En gros, quand on pète les blocs, au bout d'un moment, on va entendre un son d'un monstre, et ce monstre va apparaître dans les 5 prochains blocs. Ok. Là, ce sera un zombie. Non, ça sent un oxo. Hop là. C'est un bébé. Oh, il lag. Ouais, merci le serveur. Vas-y, je prends l'appel. Ah, une araignée. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux prendre la hache, hein. La hache, elle fait 9 de dégâts. Ouais, passe. Je sais, c'est pour ça que j'essaye de la prendre. Attention de pas taper le lama. Pas taper Gilbert. D'accord, pas taper Gilbert. C'est une décision vachement arbitraire que tu as pris quand même. Oh, une vache! Une co! Une co? Oui, c'est de l'anglais. I speak English very well. Par contre, il va vraiment falloir que je fasse des barrières pour les déplacer parce qu'ils peuvent pas rester ici. J'ai fait des barrières. T'as fait des barrières? Donne des barrières. Donne les barrières! Okay. Merci. Je sais faire avec ton bois préféré. Merci. Tu es bien urbain. Je vais faire un petit enclos pour Gilbert et Marguerite. Marguerite! Mais c'est pas ça en plus. Attends. Tu l'as fait trop petit et trop proche. Comment est-ce qu'on fait passer? Par contre, on laisse ça. Non, mais attends, là, faut. Tu ouvres. Ouais. Là, tu ouvres. Hop. Il faudra mettre des. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des portillons. Ouais, non, on peut le laisser comme ça. Enfin, faudra juste faire attention qu'ils viennent pas nous brêler. Mais ouais, je te propose de le laisser comme ça le temps qu'on fasse apparaître plein de. Araignée, vas-y, je prends mon. Vas-y. Ah bah, vas-y. Okay. Attends, la vache qui va gêner. J'avoue, go les décaler en fait. Ça va être très ouais. Chiant, attends. Et on va mettre. Vas-y, tu les décales. Et on va casser le panneau là au milieu. Bien. Vas-y, casse-toi de là, toi. Et ensuite, on va mettre un portillon. Là, à la place du panneau. Non, comme ça. Comme ça, on peut passer, mais pas eux. Ouais, mais s'il y a des poules, elles vont quand même pouvoir passer. Mais on fera ça plus tard. Pour l'instant, on n'a pas de poules. Déjà, j'aimerais bien juste refermer l'enclos comme ça, voilà. Il y a du fer ou pas, s'il vous plaît? Oh mon dieu! C'est quoi qui a spawn? Oh, il a donné un arc! Ah, un squelette! Là-bas, il y a des sticks qui traînent. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Tanoxo? Ah! Ça, c'est dommage. Évite de rester sur le bloc, Tanoxo, tu risques de tomber. Un moutmout! Oh, un moutmout! Toi, tu me seras utile pour la ferme à cactus. Merde! Bon bah, plus de moutmout. Il est mort si vite! J'ai à peine appuyé pour. Tu étais l'élu! Je voulais pas faire ça! Je m'excuse! Oh, ouais! Il a tout cassé. C'est la puissance de ma. Crève. Ne mettez pas une seule arme en main. C'est si dangereux. Putain, j'ai que 4 de fer. Un coffre. Portillon. Pose-le. Pose-le là. Oh. Pose le portillon. Tu vas poser le portillon, oui. Vraiment, tu veux pas le poser le portillon? Vraiment? Merci. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bah, attends, j'ai posé. Mais t'as niqué tout. J'ai fait une délimitation, c'était pour la délimiter. Pourquoi est-ce qu'il prend pas de dégâts? Mais je vais crever. Oh, ah, lama! On va l'appeler Billy.
T'as Noxo. Oh, incroyable. Qu'est-ce que tu fais là, t'as Noxo? Enfin, qu'est-ce que tu fous là? Le pauvre lama. Tu lui as demandé son consentement au moins? Mais ils vont me tuer les mobs. Il me reste 2 coeurs et demi. On a de la bouffe? Oui. Faut pas oublier la quête. Si vous avez dû faire. Vas-y. Vas-y, je garde la peine, je pioche. Putain. En 2 blocs, on a eu 2 araignées. Oh oh. J'ai la viande de notre ami Mout Mout. Essayez d'aller trop vite. Quel mécréant. Je l'ai placé. Oh, il faut que je fasse un cadre avec sa viande. Faut l'encadrer. Notre ami Mout Mout mort trop tôt. Quoi? Il n'y avait rien d'intéressant. Mais non, j'ai eu un bug et ça avait dupliqué l'objet que j'avais ramassé. J'ai fait, attends. Je viens d'inventer une chose incroyable. Voilà. Pense à faire slash BVN quand c'est écrit, ça te fait gagner de l'argent. Quoi? Là, il y a écrit slash BVN pour dire bienvenue. Et ça te fait gagner du pognon. Incroyable. Un autre lama. Faut l'appeler... Philippe. Philippe. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, sale enculé. Ah là là. Chalot. Eh mais t'es gros là, Philippe. Philippe, faudrait penser à faire un régime. Le régime de Philippe. Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler du régime de Philippe. Coucou. Coucou. Ah. Saleté. Salbait. Salbait. Oh non. Il a tué. Ça a fait un bruit d'araignée. J'ai tapé moi. C'est quoi qui a spawn? Encore une fois. Oh putain. Rietzor, le ship killer. Mais au moins j'ai un réflexe, tu vois. Mais oui, mais faut pas buter tout ce qui bouge. Oh putain. Oh, fais slash spawn. Fais slash spawn. Non, s'il te plaît, perds pas tout ce que t'as. Il a tout perdu. Je le dis depuis le début, pas se mettre sur le bloc du milieu, putain. Il a retombé. Oh putain, je meurs. Oui. C'est un bonheur. J'en avais 23. Mais quel con. Putain, mais non, j'avais dit de pas se laisser sur le bloc du milieu depuis le début. Non, mais il a perdu 23 de fer. Oh. Aïe. Salope. Oh, il y a un squelette. Il a perdu 23 de fer. Il y a un squelette. Oh, il y a une araignée qui arrive. J'ai chargé. Ça m'a saoulé. Ah bah t'arrache quitte. Mais en plus je te le dis de pas rester. Je reviens plus tard, ça marche. Il en veut combien des trucs le mec? 25. 25 putain. Je suis à 16. Bon, je garde la pioche, tu gardes enfin je garde la pelle, tu gardes la pioche. Mais vas-y, mais... Oh, j'ai volé. Regarde où je suis. Coucou. Bonjour. Alors, attends, si je m'en souviens bien, il y a Philippe, Billy, et toi, c'est Gilbert. Attends.
Je suis rattrapé. Je sais pas ce qui va spawn. Il est armuré celui-là. Putain, j'ai un HP. Et c'est toute une aventure sur serveur. Ils font des bruits chelous les squelettes. Oh. J'ai putain, tout loot. Quelle rapidité. Eh ouais, ninja loot dans l'âme. Une corde. Elle est où? Non, attends, elle est stackée. Oh, de... Elle est stackée. Elle est stackée. Comment ça, elle est stackée? Bah regarde, il y a un 2 au-dessus de la vache. On a stacké les vaches. Incroyable. Oh, mais quel stonks. Stacker de vaches depuis 1848. Avoir deux vaches, non. Avoir une vache stackée. Oui. Oui. Stonks. Stonks. Putain, ma pioche elle va bientôt casser. Va falloir que je la répare. J'ai 8 de fer. Je sais où tu te caches. Viens ici quand je t'ai vu de s'enculer. Ta gueule. Boucle est là. Ça c'est du Camelot. C'est bon. Cette zone est désormais pacifiée. J'ai actuellement 22 de fer. 23, il me manque 2 de fer. Ah. C'est bon. J'ai tout mon fer. Go. J'ai le réflexe de double... Ah. D'appuyer deux oh, fois il sur a touché un lama. Il a touché... comment il s'appelle lui? Cunégonde. Il te remercie, il m'a donné une récompense pour toi en échange. Faisant bon usage, j'ai te dû dire qu'il sera sur l'île quelques vous remplis et me ramener leurs eaux pour rassurer le peuple. Ok. Slash quest. Quête 1. Du coup là, épée de forgeron. Et il faut que je ramène 10 os à Brown. Oh, j'ai perdu ma pioche. J'ai envie de mourir. Oh, j'ai perdu la pioche de Yoshi. C'est et quoi si vite. C'est BB. Attends, c'est quoi? C'est OB. Go. Ouais, du coup, bah, je vais prendre l'autre pioche en fer. Je vais garder celle-là en sécurité, comme ça je pourrais la repair. Tu veux pas t'arrêter là? Ah bah oui, si tu veux. Moi, je serais chaud là. Ça, je vais dormir. Vas-y, va te coucher. Tu veux continuer seul? Tu veux, non? Non, je pense pas. Après, je vais m'avancer seul et ça serait triste. Ce serait très triste, oui. Ouais, je vais m'arrêter là aussi. Ou au pire, je te farme tes 16 de fer. Non, ça va aller. Ça marche. Du coup, je vais me déco. Ah. Et je switch de jeu, je sais pas quoi je vais jouer. Pire, je peux trouver un autre serveur Minecraft. Je vous fais tous des dabisous. Et des dabisous à toi. Dabisous à toi. Bisous, bisous. Du coup, à quoi que c'est qu'on pourrait jouer? Je vais juste de casser ces arbres. Et hop, on déco. Premier serveur One Block français. Du coup, je ne sais pas à quoi que c'est qu'on pourrait jouer. On pourrait se trouver un modpack.
ou un autre serveur. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est la France? Je recherche des serveurs français. On va aller explorer les petits serveurs français. On va bien rigoler. Où est-ce qu'ils sont? Y a pas la France. Voir, je suis aveugle, mais je trouve pas la France. Ah bah voilà. Créatif, Hunger Games, PVP, MCMMO, Cracket, Survie, Tony, Faction, Inigame, PVE, Skyblock. Mode de jeu, Pixelmon, ok. Faction PVE, Économie, Vanilla, Roleplay, PVP. Bof. PVP, Adventure, GTA. Ouais, bof. Hardcore, PVP, Hunger Game, PVE, Survie, Anarchie, Vanilla. Pure Vanilla. MCMMO, Survie, Tony, Pixelmon. Faction PVP MindZ, Vanilla, Craqué, Survie, Économie, Tony, Créatif PVP, Bedwars PVP. Ouais, d'accord. Ah, mais attendez, c'est lequel le meilleur serveur Minecraft? Là, c'est Hypixel, je crois. Si je ne m'abuse, c'est ça. Pof 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 pof. Ouais, je sais pas trop. Attends, quoi, est-ce que je peux trouver l'IP? Jouer maintenant. mc.ifpixel.net. mc.ipixel.net. Done. Alors permettre libanet for the server. Why? Ok, d'accord. Vanilla. Ça, c'est dommage. Your account has a security alert. Ça, c'est dommage. Bon, bah, rip, du coup. Donc, on va aller chercher un autre serveur. Country, on retourne en France. Where est-ce que c'est la France? France n'est plus haut. Royaume-Uni, France. Du coup. Ah, mais genre, il y a deux personnes de co par serveur, c'est génial ça. Tony, MCMMO, Survie, Pixelmon. J'ai pas envie de jouer en Pixelmon, moi. On va voir. Your premium account has been verified. Please join the server again.
Nani. Rien d'important là, ça marche, je comprends pas. Ok. Hey Dodalgo. Ah ok, en fait oui, il cherchait juste mon compte. PvP Sword, Enderbutt, Grappling Hook. You enter in PvP mode. Nani. Faction, survival, créatif, Tawny. Qu'est-ce que c'est que le Tawny? Steinfun guide. Weapon. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Alors slash lobby. Minigame. Factory, Landscape, City. Il n'y a personne nulle part. Ça marche bien. Ouais, bah... Je ne sais pas quoi faire. Ouais, bah ça marche bien. Hein. Ok. Bon bah on réessayera en journée. Hein. Bon, on va juste switch de jeu, je pense. Mais je sais pas quoi jouer. J'irai bien farm sur Albion. Même si mes guildmates sont absents. En même temps, je leur ai jamais parlé. Pourquoi AFK? J'ai mis mon truc de recrutement, oui c'est bon. Après, on peut aller jouer à Zelda. Ouais, on peut se faire ça. Ou à GTA, pourquoi pas. Curse Forge. Je ne sais pas à quoi jouer. Et ça, c'est un problème. La manette est connectée, donc je pourrais aller jouer à Zelda. Ça vous dit un petit peu de Zelda? Enfin, c'est le Zelda Wind Waker. Pas le HD. Ah mais il est déjà sorti. Ah non, on peut le pré-acheter. Parce que là, je suis en train de regarder Dying Light 2 Stay Human. Et je peux le pré-acheter pour 60 balles. Nope. J'ai pas spécialement envie de payer 60 balles maintenant. Sachant qu'il faut que j'achète encore un nouveau micro. Donc je sais pas. Ouais, il a l'air vachement cool. Ouais, bah je sais pas. Je n'en ai aucune idée. On peut aller tenter d'aller jouer Genshin Impact aussi. Je sais pas. Bon, en vrai, Zelda c'est bien, on va aller jouer à Zelda. Je vais changer l'intitulé du stream. On part
sur... Alors oui, j'aimerais bien ne pas avoir la mage. Wind Waker. Et hop, du coup, je vais mettre Zelda. Wind Waker, mais pas le HD. Parce que nous sommes pauvres. Ouais, bah du coup, je pense que je vais... Allez, on part sur du Zelda. Je lance Zelda et on y go. Juste falloir que je modifie des trucs. Là, que je passe en automatique. Voilà. Si ça veut bien marcher. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et ben voilà. Ah là là. Oh Wind Waker mon Zelda préf. Ah moi aussi Yukito. Et ben c'est super. On va super bien s'entendre alors. Bon, je suis qu'au tout début. Vraiment, j'ai rien fait. J'ai juste fait le début de l'aventure en fin de live comme ça l'autre jour aussi sur... Non, regarde, j'ai même pas quitté l'île Cocolint. Je l'ai fait une fois. Ah oui. Et non, moi, j'ai jamais eu la chance de l'acheter IRL. Enfin, IRL. De l'acheter sur console physique. Comme je n'ai ni eu la Wii U, ni eu la... sortie sur... Je sais plus le nom de la console. Enfin voilà, j'ai jamais vraiment joué. Du coup, maintenant que je peux y jouer sur l'émulateur, autant que j'en profite. Pas à 100%, mais j'ai fait les quêtes principales. Ouais, je comprends. Ariel. C'est tout? Tu me dis juste ça, grand-mère? Alors, le problème, c'est que je sais plus où je me suis arrêté. Du coup, bah... Ça va être compliqué de s'y retrouver. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'ils avaient demandé que j'aille parler à ma grand-mère. Link, ce qui se passe est terrible. Je ne peux pas partir à ta place, mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas à venir me voir sur mon île. Je serai là pour te voir. Ouais, c'est ça. Il n'est pas bon. Tu es prêt? 8. Là, si je me souviens bien, là, on va rejoindre Pietra sur son bateau qui va nous emmener sur l'île maudite. Ah. Les musiques sont tellement magnifiques. Bonne chance, Link. Retrouve vite Ariel. Tu pourrais me passer le nom de l'émulateur, c'est stable. En gros, j'utilise Dolphin, mais ce que j'ai utilisé avant, c'est... Attends, c'est que je te retrouve le nom. C'est Romstation, voilà. J'utilise Romstation, en gros, il comprend tout. Romstation, t'as tout. Sur Romstation, tu peux installer l'émulateur et les jeux aussi. Le seul problème, c'est que si t'es pas en premium, je crois que t'es restreint à un certain nombre de mégaoctets par seconde pour ton téléchargement. Par exemple, là, moi, il m'a pris 3 heures, alors pourtant j'ai la fibre. C'est parce que j'étais restreint dans les données de téléchargement. Cette musique. Ah, merci, je vais aller voir après. Ça marche. Mais du coup, ça sert à rien que je mette une musique parce que
le jeu est déjà plein de musique. Ah et par contre ça se voit que c'est pas le HD hein. Link, arrête de tourner en rond comme ça, tu me donnes le tournis à tout le monde. J'ai demandé à Nico qu'il s'occupe de toi, va le voir en bas. Oui merci. Lui, c'est lui qui nous raconte l'histoire dans Zelda Phantom Hourglass je crois. Ah, ça c'est la chambre de la gentille damoiselle. Ah, te voilà le nouveau. Je suis ton chef, je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors, écoute-moi. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire. Maintiens maintenant pour t'en rappeler. Putain, je sais pas lire. Oui, bon là, il va m'apprendre... Sur le bouton comme ça tu vas activer quelque chose. Oui je sais. Aïe, je sais Playhead. Je me souviens qu'en 2013 j'avais regardé le let's play de Siphano sur le remake Zelda Wind Waker HD. Et à l'époque on ne pouvait pas acheter de Wii U. Donc bah j'ai jamais pu faire le jeu. Je suis bien attristé par cette nouvelle. Et là, je ne peux toujours pas faire le HD. Mais moi aussi, c'est pour ça que j'ai joué. Ah ok. Bah oui, en même temps. Enfin, il est vraiment formidable ce jeu. Franchement, il y a beaucoup de monde qui le critique, mais franchement, c'est un bon Zelda. Faut apprendre à faire ça. Si tu arrives en moins d'un an, je te jure. Ah oui, je vais y arriver en moins d'un an, mon cher Nico. Du coup, je reset le timer. Alors, par contre, la cam fait nimp, comme je crois qu'ils inversent les contrôles haut et bas. Putain, je suis parti trop loin. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Saute correctement et viens ici. Ah, et puis j'ai oublié de te dire. Quand tu te balances un crochet à la corde, tu peux te diriger. Oui, je sais, merci, c'est bon. Aïe. Alors, nous y allons. Ok. S'il pouvait se tourner. Alors il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? J'ai pas compris. Je tentais de faire des trucs et il m'a dit non. Mais non, pourtant c'est bon. Je comprends pas. On recommence. Je sens que je vais un petit peu galérer. Tout petit peu. Mais vraiment? Ah! Le jeu qui me troll. J'avais vu ça. La cam, s'il te plaît. Mais vraiment? Oh, je suis vraiment une brêle. Tu dois te foutre de ma gueule, Yukito. Allez, réessayons. J'espère qu'on va pas y passer des heures. Ok. Donc là, Link. Mais vraiment? Putain. Faut que je prenne plus mon temps parce que je veux aller trop vite. Putain, c'est pas une bonne idée. Puis je joue pas avec une manette de GameCube. Je joue avec une manette de Switch. Ok. Mais oh vraiment je pars à côté. Ah. Je suis beaucoup trop doué.
Allez. J'ai la technique, maintenant, c'est la bonne. Alors. Ah, mais putain, je me faille tout le temps, c'est pas vrai. Heureusement que la musique est bien. Hein. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier. Mais putain! Je comprends pas l'inertie qu'il a, Link, quand il s'envole comme ça. C'est genre, il fait un vol plané. En fait, il faut que je le laisse ralentir. Pour y aller tranquillou. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, je prends trop de vitesse. Donc, du coup. Pas trop de vitesse. Ok. Et là, du coup. Allez, oui. Ok. Ah. Je suis. Oui. Je suis fier de. Je suis fier d'être ton chef. Donne-moi la récompense plus vite que ça. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien. Je vais t'offrir. Le trésor qui se trouve dans la pièce à côté, ce sera la récompense de ton chef Nico. Va vite le chercher avant que les autres n'arrivent. Attends, il va vraiment me pousser là. Putain, j'ai peur qu'il. J'ai eu peur qu'il me fasse pousser. Qu'il me pousse dans le. Enfin, qu'il me pousse du bateau quoi. Ouais, le sac à butin. Génial. L'ennemi de ce site peut contenir jusqu'à 8 objets pour en visionner contenu positionné sur le curseur. Oh Link, nous sommes arrivés à la forteresse maudite. Remonte vite. J'arrive. J'ai les mains qui suent. Quoi? C'était quoi ce bug? Je me suis mangé l'escalier. Oui, je sais que c'est la chambre de Tetra ici. Faudrait pas aller déranger la princesse. Nous y voilà. Eh oh Link, je suis là-haut. Oui, mais encore. J'ai pris tellement de temps que la nuit est tombée, hein, quand même. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis fier qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la forteresse maudite. La fameuse forteresse maudite. Look. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Le piaf qui s'endort à moitié. Oh, regarde! Des mouettes! Là-bas, cette fenêtre. C'est goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Oui, ou alors qu'il y a un pêcheur qui a ramené des poissons aussi. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même le pouvoir accoster. Comment faire? Tu veux aller dans un endroit dangereux? Il faut au moins ça pour que tu ne fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts? Ok.
Il ne faut pas manquer notre coup. Vise bien. Cette tête. Quand je baisse le bras, tu tires. Au revoir. Alors, là où on a atterri. Non, là on n'aurait pas dû tomber si bas. Splif. On aurait pas dû atterrir dans l'eau. Hein. Forteresse maudite. Perso, quand j'entends forteresse maudite, je pense à la forteresse de Seine dans Dark Souls. Le premier du nom. Dans cette tête. Aïe! Sans ton épée dans un endroit pareil. Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête! La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais. Et je peux même te parler quand tu vois apparaître A, appuie un peu sur le bouton. Appuie sur Start, puis sur L ou R pour faire apparaître l'écran statut quête, tu y verras ma pierre. Mais tu devras me la rendre quand tu ne sauras retrouver ta sœur, alors ne la perds pas. Splif. Quoi, 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 quoi. Suis-je si avare que ça? Totalement. Oula. Tout juste. Ok. J'entre dans la grosse pièce. Ouais, mais il y a des rats. Oh merde. C'est bon, je me souviens comment est-ce qu'il faut faire. Putain, ils sont deux. Pas fort que je me fasse repérer. Oh là, merde. Ah là là. Alors, si je me souviens bien, où est-ce qu'il faut que je passe? C'est par là. Tout juste. Vraiment? Lâche. Merci. Moi j'ai déjà 200 rubis. Comment est-ce que je me baisse déjà? C'est comme ça, c'est L. Non, c'est R, j'ai rien dit. Et je dis n'importe quoi. Yep, on continue. Oh, ouais, bon, d'accord. Oh, un coffre. Quelle douce mélodie. La carte du donjon. Hop. On y go. Et là, il n'y a aucun problème, bizarrement. Nous avançâmes tranquillement dans le donjon. C'est cool. Ah. Oh putain. Vraiment eu coup de cul là. Hein. C'est l'heure du premier fight. C'est l'heure. Duel. Si je me souviens bien. À moins qu'il fallait que je déplace la caisse à un endroit pour y accéder. Je sais plus. Ok, c'est pas par là. Là, je crois que c'est la suite.
ce n'est pas par là. Boum, boum. Oui, c'est bien. Tu vas me les faire à chaque fois le jeu? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je sais, Link. Pour accéder à la tour où est emprisonnée ta sœur, tu vas devoir chercher la pièce qui se trouve juste en dessous. Le chemin qui y mène se trouve derrière l'édifice, tu comprends? Oui. Alors, je déteste ces passages avec les... Comment ça s'appelle ces bestioles-là? Prends ça vite. Oula, ça c'était pas prévu. J'aime pas être vulnérable comme ça. Je sais que si je fais un faux pas, je me retrouve dans tout le début. Oula, attention, il arrive. Ils sont vraiment cons, hein. Ils sont passés ici il y a 30 secondes. Et ils se disent, non, ce tonneau était là. Il n'y a aucun problème. Et puis pareil, normalement, c'est des espèces de sangliers, donc ils devraient avoir un odorat beaucoup plus... Putain, la souris qui m'a fait ultra peur. Oh, la souris qui m'a fait sursauter. Oh. Non, hey mec. Il me dépasse, enculé. Ok, je ne suis pas là. Vas-y, casse-toi. Allez, casse-toi, t'es gentil. Non! Non! Non, il me voyait pas! Il me voyait pas! Un rubis doré, sérieux? Bon, de toute façon, je suis bloqué à 200. Oh, mais vas-y, ça me fait chier. Ah, vas-y, ça me saoule. Il faut suivre le conduit. Oh là là. Le jeu, ça se fait tellement pas ce qu'il m'a fait. J'y étais presque, quoi. En plus, je me suis dit, il va falloir que j'attende encore un peu. Sinon, je vais me faire voir. Vas-y, ça me casse le cul. Je sais même pas où je vais, je sais que c'est pas le bon endroit. Je sais que c'est pas par là que je suis allé tout à l'heure, mais je me dis, il y a peut-être des secrets ou d'autres trucs, je sais pas. I'm so really sad. En fait, j'aimerais dégommer les trucs. Putain, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que c'est que par là? Oui, je suis un étage trop bas.
Oh non, je voulais pas grimper, je voulais le pousser. Je peux pas le pousser? Ah si. Ouais. Génial. Donc, qu'est-ce que nous réserve la suite? En fait, c'est le même endroit, mais avec moins de chemin. Allez, on dit que tu te retournes, tu me vois pas. Il y a l'autre là-bas qui peut me voir. Putain, puis il y a le rat là qui se balade. Je touche plus à ma manette. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Tu ne me vois pas. Ok, je m'éloigne le plus possible. Amen. Oh là 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 là. Déteste les trucs où il faut être discret. Non, encore. Oh putain. Ok, je vais m'arrêter là. Mais non, mais il vient vers moi. Viens pas vers moi, casse-toi. En plus, je sais pas à quelle distance il peut encore me sentir, m'entendre, me dire. Cours, Link. Cours, cours, cours. Ok. C'est bon. Donc là, il va falloir se plaquer. Nous nous plaquâmes gentiment contre le mur et nous avançâmes dans les méandres de ce vilain mur. Oh merde, merde, merde. J'aurais jamais le temps d'y aller. Mais non, il va falloir que je passe par là pour aller le dégommer. Mais non, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Il faudrait que je passe par là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, je voulais pas grimper, je voulais le saisir. Ok, du coup je débloque un passage. Merci le jeu de me montrer pendant 15 ans que j'ai fait quelque chose. Ok, j'ai débloqué un passage. Du coup, je vais aller dégommer son visage à lui. Et je m'en fous de quoi tu me parles, le pirate, là. Tu pouvais juste me laisser tranquillou. Ces trucs, quoi. Regardez, il éclaire la lune! Ah merde, c'est vrai que je peux pas attaquer. Où est-ce qu'elle est? C'est vraiment de m'attaquer à la main. Je peux te récupérer s'il te plaît? Il est vraiment parti se reposer. Putain. Qu'est-ce qu'il fait?
Ok, victoire. Donc ouais, est-ce qu'il faut que je passe après? Faut que j'aille par là, si je ne m'abuse. Hop, et que je continue par là. Mais au moins, j'ai le chemin pour aller vers la fin. Et ça, c'est good. Je m'en fous, arrête de me parler. Écoute bien, au haut de cette échelle, tu trouveras un monstre. Oui, je sais que je trouverai un monstre. Allez, arrête de me parler. Arrête de me parler, s'il te plaît. Allez. Je sais comment est-ce qu'on joue. Merci, t'es gentil, GLaDOS. Mais je n'ai pas besoin de tes conseils. J'ai peur, ce truc au visage. Tu n'iras pas prendre ton arme. Je vais te goumer avant. Hop, séance de goumage en famille. Vainqueur. Merci. Donc ensuite, il faut que je repasse par là où je suis passé. C'est-à-dire par là, mais... oui, c'est bon, j'ai débloqué le chemin là-bas. Oh, je vais devoir refaire le passage. Ah, mais sérieusement, il y a encore un mec qui éclaire, là. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Mais c'est pas vrai. Il est où, celui qui éclaire, encore? Il est juste au-dessus, là. Oh, vas-y, ça va me saouler. Mais j'en viens d'ici. Mais... arrête le jeu, j'ai compris que c'est par là qu'il faut que j'aille. J'aimerais bien avoir une idée d'où est la dernière tourelle. Ah bah elle est par là. Tu peux monter dessus s'il te plaît, Link? Allez Link, s'il te plaît. J'aimerais passer par là. Please. I beg you. Attends, je vois pas où est-ce que je pourrais passer. C'est vraiment juste lui qui me fait chier, hein. Mais je vois pas où est le passage. C'est tellement labyrinthique, ces endroits de merde. Je pense qu'il faut que je passe par là. Attends. Si je passe par là. Que je passe par là. Ah d'accord. C'était juste là. La joie. Sandwich. Vas-y, tape-moi. Frappe-moi, je t'empoisonne. Il est pas mort, j'ai mis 3 coups. Merci. Un rubis, génial. Du coup, faudrait que je repasse par là. Ah, ça me fait suer, ça me fait suer. Bon bah on y va. Link, c'est quand même le seul qui arrive à être plus rapide en roulant qu'en courant, quand même. Là, du coup, hop, je récupère le rubis, même si ça me sert à rien, parce que je suis déjà à 200 rubis. Allez, s'il te plaît, Link, fais pas le con.
j'adore ma vie. Me tromper de sens, c'est génial. Vas-y, toujours plus loin. Du coup, je dois me retaper le chemin devant les sanglios. Ou alors non, c'était juste après les sanglios, je sais plus. Non, non, c'est bien juste avant. Je dois me retaper deux sangliers, quoi, putain. Ça me fait suer. Prends pas trop la confiance, vas-y doucement. Prends ton temps. Ok, c'est bon. Et demain de passer, plus que le deuxième. Et après, on sera tiré d'affaire. On passe le deuxième sanglier et on est bon. Oui, tu m'as déjà montré la cinématique, le jeu, s'il te plaît. Arrête-toi. Non, non, non. Amen. Amen. Y'a rien. Il m'a pas vu. Il va retourner dans son coin, me laisser tranquille. Tu n'as rien vu, rien entendu. Poil au cul. Chercher une rime et c'est le premier truc qui m'est venu. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas. Bref. Allez, tu te casses, 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 tu te casses. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, casse-toi. 1, 2, 3. Non, vraiment, tu restes là. Allez, dis-moi que tu vas plus loin. C'est une blague. J'ai vraiment chié dans la colle en me plaçant ici. Oh, bouge pas. Ils ont vraiment une mâchoire désarticulée, ces bestioles. Genre vraiment, ils ouvrent la bouche, ils sont comme des zombies. Allez, ok, amen. Après, on sera tranquille, on pourra taper les mobs, on n'aura plus de questions de discrétion. Il n'y aura plus aucun problème. Niveau discrétion, tout du moins. C'est vraiment relou, ces trucs de discrétion. Surtout qu'en plus, ils te font reprendre à 3 km, c'est horrible. Allez, on y va, tout doucement. Deuxième vague. La tête de Link. En vrai, il est super expressif dans ce jeu-là, Link. Sûrement l'un des jeux où il a le plus d'expression. De Link. Je suis à 200 rubis. Joie, tristesse. C'est le moment de faire une cinématique comme quoi t'as récupéré ton épée. Aïe. J'ai envie de lui mettre un coup roulé. Paf, ça c'est trop classe. Bon allez, fini de rigoler là. Il m'a rien loot en plus. Quel radin. Ah si. Un rubis. Bon, toujours autant un radin. Mais enfin. Au moins, on en a fini avec cette forteresse de merde. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est unique. Serait amen.
Ah. Je roucoule. Is that a fucking 7 vrai France? Schlag. Au revoir, il va tout à l'heure. Ça, c'est dommage. Ah oui, hein, c'est pas avec moi que vous verrez l'histoire ou quoi, parce que j'en ai rien à foutre. Je la connais déjà l'histoire, donc c'est bon, merci. Waouh. Ce 2 n'a jamais été aussi menaçant. Ah, je me suis bloqué. Encore une référence à même. Putain, il décolle loin. Hein. Il a beaucoup de force ce piaf quand même. Enfin, j'aimerais dire que environ 50 mètres au-dessus de l'eau, quand tu tombes dans l'eau, t'as l'impression de tomber sur du béton, donc toutes tes os explosent. Mais c'est un détail que l'histoire va oublier parce que sinon. Voilà, hein. Réveille-toi, Link. Link, j'ai mal au dos. Tu peux te réveiller, enculé. Vite. Link. Il a pris une teinte de couleur, Link, à force de bronzer au soleil. Ça y est, tu as compris. C'est moi, le lion rouge. Je suis un dragon qui parle. Sauf que je suis un bateau aussi. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. J'ai genre 1000 fois plus d'années que toi. Je sais parler le langage des humains parce que je suis un bateau qui parle. Ah. Ah. Martelage de bouton A parce qu'on en a rien à foutre de ce qu'il dit. Il s'agit de Ganondorf. Il avait autrefois formé le dessin et dérobé les dieux leur pouvoir. Techniquement, les dieux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils peuvent détruire, construire et tout. Donc je me dis, maintenant que Ganondorf a la force des dieux, il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il nous oblige pas? Genre en un claquement de doigts, ce serait plus simple, non? Un petit peu d'eau, très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant des informations sur ce que tu dois faire et les endroits où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines et à plus forte raison par un enfant. Telle la force que tu acquéras dans l'adversité pourra avoir raison de se méfier. Oui, c'est bien. Allez, ta gueule, dépêche-toi. À vrai dire, nous avons un petit problème de pouvoir partir. Il nous faut une voile. Je sais à qui c'est qu'il faut que je parle pour récupérer la voile. Monsieur Eisenberg. Allez. Oui, je veux entendre ta voix. Je veux entendre la musique. Ah, je m'en fous. Je n'arrêterai pas le live tant que je n'aurai pas entendu cette voix de navigation sur l'eau qui est juste magnifique. Ah. Mercantile. Ah non, lui c'est le voleur de bombes. Or je n'ai pas le sac de bombes. Du coup, je sais pas ce qu'on peut aller faire. Je sais qu'on peut passer derrière sa boutique, mais je sais plus à quoi ça sert. Oh non, plaque-toi, connard.
D'accord, c'est juste un caillou qui sert à rien. Bon bah je vais me noyer. Hop, tu peux te coller s'il te plaît, Link. Link, fais pas le con. Link. Merci. Allez, on y va. On y va tous doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. D'accord, merci d'avoir sauté, Link. Alors, à quoi ça sert d'aller ici déjà? Par avoir un magnifique fondu en blanc. Pas à grand chose apparemment. Mais en plus il sait qu'on est là, hein. C'est horrible. What the fuck? Dommage que... Ah mais c'est la planque à argent du mec en fait. J'ai volé sa caisse. Non mais par où il entre ce voyou? Parle-toi. Balancer des caisses au visage. Poudrerie, oui. 10 bombes, 10 000 rubis. Il se fout de ma gueule. Putain, ça coûte tellement cher. Je sais plus à quoi ça sert de rentrer par là. Peut-être quand il fait nuit. Peut-être un quart de cœur ou un truc dans le genre. Oh, j'adore cet endroit. Alors le problème c'est que je n'ai aucune technique. Ah d'accord. Ah pff, bah d'accord. Oui je veux rejouer. Il y a un putain de rubis doré derrière. Putain. Mais merde! Je misclique à chaque fois. Oh bordel. Et il va m'en rester un. Non! Putain! Ah, à rien du tout. Ah bah d'accord. Oh merde. J'ai encore fait nimp. Non, sérieux. Je tire toujours à côté. Vas-y, je recommence. J'en ai rien à foutre. Mais non, mais pas là. Et de 1.
Ok, il m'en manque un. Non. Je suis débile. Grâce à toi, il a recouvert la paix et ses enfants. Un quart de cœur. Parfait. C'est... je pensais qu'il y en a... Je pensais qu'il fallait faire un score plus petit. Mais non. Bon bah voilà. C'est fait. Génial. Par contre, j'ai vu ces magnifiques rubis. Juste derrière. Voilà, merci. Merci de me rembourser pour tout l'argent que j'ai dépensé. Non, j'ai pas envie de jouer. Je jouerai plus tard. Si je me souviens ce que ça nous donne. Parce que je sais qu'on peut avoir d'autres trucs, il me semble. Si on fait des scores plus petits, mais je sais plus comment. Ah oui, c'est vrai qu'elle est cassée. Non, il me semble qu'il faut débloquer le sort de vent pour le faire souffler dans un certain sens ou un truc dans le genre. Ou bugger comme ça aussi, ça marche, mais... Là, ça, c'est l'appareil photo. Ouais, salut toi. Ah, il veut pas me parler. Je propose maintenant beaucoup de boîtes à images, mais je n'ai pas envie qu'on me les ship à les fils. Mais je veux... Je veux prendre des photos, moi. Oh. Et je peux te l'acheter aussi. Eh, hey, j'ai de l'argent. Ça, c'est l'école, il me semble. Ça va, j'ai 10 ans. C'est l'arche parfait pour partir à l'aventure. Sauver le monde, tuer des monstres, etc. Elle, je sais qu'elle aime un truc... Même le bruit quand on se trompe de bouton, il est bien. Il prouve que ce Zelda est quand même un bon Zelda. Non, ta gueule. Oui, c'est bien, je veux pas jouer avec vous. Alors, par là, c'est quoi? Je revisite un petit peu, histoire de savoir... ce qu'il y a sur l'île. Aïe. Oui, la boutique de Terry, c'est bien, merci, au revoir. Ici, il me semble qu'elle nous raconte des ragots, ce qui peut nous donner des idées. Enfin, ça nous donne des conseils sur quoi faire ou d'autres trucs. Je sais qu'elle était là, la voile, mais je vais aller voir Heisenberg. Non, c'est pas là. Putain, je me souvenais qu'on pouvait... Il semble qu'on pouvait péter des trucs. Et qu'on se faisait engueuler. Ah, c'est la salle d'enchères. Oui, c'est vrai. Cette nuit sera-t-elle celle de vos désirs en chair au rez-de-chaussée du bâtiment 18h-16h? Je sais plus comment est-ce qu'on change la date, enfin l'heure de la journée. Mais il me semble que l'heure, là, de toute façon, elle est bloquée, donc je vais aller chercher la voile et puis je me casse. Vas-y, donne-moi la voile, c'est parfait, casse-toi. Oui, c'est bien. Allez! Non, ta gueule. Oh, un sanglios. J'ai un truc à faire avant de partir. Ah mais il a bugué.
Oh, il sait nager. Bon, allez, on y va. Quelle mine réjouie tu as donc trouvé la voile. Très bien, dirait Génie. Oui, c'est bon, je sais. Allez, da, na, na, na. Ouais, filons vers l'est. Laisse-moi te monter dessus. Il est horrible. Ok, ouais, donc c'est bien. Le vent souffle au bon endroit. Par contre, faut que j'assigne. Ah, c'est parti. Il me semblait qu'il y avait un bug, genre si on faisait X. Qu'on spammait le bouton X. Attendez, je vais augmenter le son du jeu. Le son du jeu, enfin, la musique, tellement bien. J'aimerais bien, merci, augmenter. Dans mes souvenirs, ici, il n'y a rien. Et Terry non plus, il a rien. Quoi qu'on peut toujours s'arrêter ici. Hein. Ah oui, non, c'est B pour ranger la voile. Ah non, c'est A. Saute! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est la météo! Je le disais aussi. Nous voilà arrivés à la prochaine destination. Terre en vue! Voici l'île où tu dois te rendre, l'île du dragon. Au sommet de cette île vient un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Je vais aller voir ce dragon et lui demander de te ramener la perle de Dain. La perle de Dain. Une perle rouge. La perle de Dain. Demande donc au peuple piaf qui vit sur cette île comment trouver le dragon. Voici la baguette devant, cette baguette de chef d'orchestre autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsqu'on vous adresse la prière aux dieux. A l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout s'il est encore ainsi aujourd'hui, mais... elle pourra peut-être te servir malgré tout. Essaie de l'utiliser. Apprends d'abord à jouer trois notes. Ne touche pas et dirige en rythme. Et merde, il s'est inversé. Merde, c'est inversé, c'est horrible. Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un 4 notes. Changer le rythme. Oh là là, c'est horrible. Le carina était tellement plus simple. C'est bien ça, Link.
Pour un coup d'essai avec cette baguette, tu sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes. Oh là 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 là. Ba-na-na-na. Sur XZ. Oui, c'est bon, je sais, merci. Voilà, on va juste profiter de cette musique. Voilà, parce que l'on va s'arrêter là sur cette belle musique. Je vais vous dire bonne nuit. Merci d'être resté ici. Oui, c'est ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis bonne nuit. Et à demain. Bisous, bisous. Ça y est, j'ai mangé l'éternel. Trop cher, c'est l'éternel. Ok, je crois qu'il est sur moi, il va me buter. Ah là là. Oh une merde, quand même. Il est quoi, j'ai plus depuis tantôt. Ouais, eh, c'est vrai ça. Il est FK ? Bah, j'en sais rien, mais j'avoue, j'ai plus non plus. Niveau 11. Ouais, je crois qu'il est FK. Hein. Bah nous on est niveau 12, on est 14, ouais on est niveau 14, ouais t'es bien, non j'allais dire t'es bien fit. Bah si t'as beaucoup de farm en vrai, je sais pas, c'est ça. Je pense qu'il est là hein, mais qu'il farm, vu qu'il rage comme une merde. Bah j'imagine. Je le demande. Ouais hein, c'est plus friend, friendly tu vois. Eh hey, merci de raid. Ok, je push quand même. Bah il arrive vers toi à la ville, il doit y avoir fresh avec lui. Ok. Oh, ça fait dégommer le truc, what the fuck? Bon, en fait, je vais aller sur plus c'est trop chiant contre la fin. Ok, bah il est venu se donner à toi. Ouais, bah. Merci pour moi. Bah, nickel, ouais, c'est pas plaisir ça. La démolish! Oh putain, ça me casse les couilles. Recule là. Recule, recule, ça casse pas, je suis pas moi. Hé hé. Je suis trop fort. Non. Je peux peut-être te jouer chacun. Non, c'est des. Timo, il est en carnage. Vraiment. What? Ah, il a la flash frérot par contre pour me kill hein. Pom 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 pom. Aïe aïe. Oublie pas que t'as ton gel éternel frérot maintenant. Yes yes. Tu l'usais. C'est vrai. Je joue jamais avec cet item donc. Ouais mais moi non plus, en vrai moi non plus j'aime pas trop mais quand je joue blitz en arme c'est marrant. Y'a combien de CD ? 30 secondes. Ouais mais c'est pas par contre c'est cheaté hein, vraiment, c'est abusé quoi. Ah.
Il remonte un ennemi Nash. C'est bon, les gars, j'ai pris le Nash. Ah, il fait trop mal avec cette avec ses... Ouais, ça va les coups. Il faut de life avec le champi, les gars, si jamais. Les attendre de manière smart. C'est le faux, hein. Le vrai, il est à l'intérieur de la base. Le vrai est à l'intérieur de la base, ça, c'est le faux. On peut le tuer, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Parce qu'il prend l'info en fait, hein. Il m'a one shot Chaka. Putain, il était pas dans la base, frérot. Ouais, mais il a. Bah, non, il était dans la base et après il a mon avis la Q et il est venu derrière. Bah, il est venu, mais en tout cas. Je peux rien faire, je peux pas te suivre. De toute façon, je pense qu'il a pas besoin en vrai, mais qu'il se trompe pas en la. What the fuck? Oh, dommage. Mec, je suis touché par le champi, comment? Je ne sais pas. La champ... Ouais, ok. Vroom, vroom. Après, c'est bien, hein. On a des inhibes, il y a rien. En vrai, c'est... Enfin, du coup, vérifie si Echo, il est à la base. On va voir, peut-être. Non, je crois qu'il est vraiment à la base, hein. Oui, hein. Je pense, non. Je vais faire le Drake. Il y a tellement de creeps, gros, genre... Il n'y a pas Echo, ouais. Sur il est AFK. C'est quand même une merde, Echo. Ah, peut-être qu'il devait aller manger. Ah non, le champi. Oh. Oh, oh. Dommage, une petite peine. Ah oui. Ah, la tornade. Super. Et hop, viens là, mon gros. Attends, je vais aller voir. Il a quoi comme problème? Il a quoi comme problème? Cherche la merde, cherche la merde. Cherche l'ambulance, l'ambulance. T'as une bouchée, t'as pas le danger, peut-être. C'est une vieille phrase de merde. Il est là. Ça part en couille. C'est lui ou pas? C'est lui derrière! Putain, mec, non, mais fils de pute, c'est une fonce en double! Hey Yasuo, pendant ce temps-là, il est à la base. Oui, t'es mort. C'est une raison? Bah ouais. J'espère qu'on va pas perdre en 4v5. En vrai, y'a moyen parce qu'ils vont être. Enfin, ils vont être super forts en late game, quoi. Bah, bon, on va rien perdre du tout, vous êtes fous quoi. Juste qu'il y en a un qui split et les autres qui fassent gaffe. Il y en a juste un qui va nous one shot, c'est lui. Bah quand il aura son paquet, faudra faire gaffe. Ouais, bah je crois qu'il a même pas récupéré une seule fois de la game. Non, il est toujours là son paquet d'ailleurs. Ouais. Mec, il a vraiment pas récupéré une seule fois de la game. D'accord. Il est prouvé que c'est possible de gagner sans paquet. À ne pas sortir de son contexte. Je crois que c'était pas une bonne idée. Ah, quoique, au final, on s'en sort, hein. J'ai failli one shot Corki, les gars. J'ai mis la wall de la fille, mon pote. What? Attends, il m'a mis combien là? Oh, ok, une roquette. C'est pas lui. J'ai l'éternel, frérot. Je l'ai pas, regarde le CD. Ah merde. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Mec,
Le Corki m'a mis à moins 800 à la roquette, vraiment hein. T'es mort ? Oui, il m'a one shot. Quelle idée. C'est joli de prendre l'hélip-top, mais il faut prendre du temps à arriver quoi. Oh mais t'es caté poto. Ouais, ah il a pas pris son papier. Ah il se fait baiser ma Metroid. Et voilà, facile. En vrai c'est lui le Yasuo malgré des pas difficiles. Mais Yasuo c'est toujours fort même si t'es en 0-10. C'est ça que c'est bon comme on dit. C'est ça qui est beau. Et moi je mets un honneur au hasard. Moi je mets GG à Yasuo parce que Yasuo, voilà, c'est juste à dire. Voilà. Bah j'ai gift back. Pourquoi tu reportes l'autre bâtard là? Bam voilà. Vraiment Yasuo joueur le plus honorable. Incroyable. Et moi j'ai été honoré deux fois quand même, je comprends pas pourquoi je suis.